connaissent pas qui peuvent arriver sur le live. Je vais passer pour une barrée. Hello, bonjour à tous et toutes, bonsoir. C'est la dernière. Et oui, il en faut une, hein, une première, une dernière. Donc, la dernière du week-end pour ce soir, enfin, cette fin d'après-midi, travailler sur un siège en tissu. Donc, on va peindre le tissu, enfin, Charlotte va peindre le tissu et vous montrer comment avoir éteint. Ouais, je te le rallumerai après. Un effet cuir. Voilà. Éteindre la lumière parce que j'ai des auréoles. Je devrais l'avoir ici, vous savez, comme un ange, mais non. Là, j'ai des petites oreilles de diablotin. Mais moi, je trouve qu'on dirait Astérix quand il court vite. C'est qu'il est... Faut que tu te regardes en Richelieu. Bon, recoucou tout le monde. Donc, Wilfried, Patricia de nouveau, Alex, Gaël, Pascal, Gradiella, Karine, Angéline, Monique, Florence, Gradiella encore. Enfin, tout le monde. Alors, on s'est dit, c'est la dernière. À force, ils vont s'essouffler, il y aura moins de monde. On va travailler un petit peu en freestyle, parce qu'on n'a jamais fait. Oui. Voilà, donc bon, on verra bien ce que ça donne. Après, moi, je suis assez confiante, hein. Sinon, on ne ferait pas, j'avoue quand même. L'idée, c'est quand même de vous faire des démonstrations de ce qu'il faut faire, pas de ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être que c'est intéressant quand même. Ouais, c'est vrai. Et des fois, le fait de se tromper, soit on découvre des choses, soit on s'y tient, il ne faut pas que je fasse comme ça. C'est ça. D'ailleurs, Charlotte a pensé après live qu'elle a oublié de dire quelque chose sur le live d'avant. Oui. Une chose qui peut malgré tout être importante pour éviter que vous ne fassiez des bêtises ou que vous ne compreniez pas pourquoi ça. Donc, je l'ai ajouté en replay. Donc, pour les feuilles de métal, on ne pose surtout pas de cire avant la pose de la feuille de métal. Sinon, votre feuille de métal va adhérer où il y a de la cire. Ouais, c'était moyen. Allez. Ah, trop contente, je l'attendais avec impatience celui-ci de Nancy. Coucou tout le monde. Chris, Sylvie, Christine. Alors, c'est à la vie. Juste l'attendre de suivre le dernier, les autres seront en replay. C'est gentil, Christine. Cool, Christine. Donc, ce live que Charlotte va faire, cette démonstration que Charlotte va faire, est inspirée d'une démonstration faite par un grand du relooking. Pas une démonstration, mais une réalisation. Une réalisation d'un grand du relooking. Donc, Jonathan Marc Mendes, je suis fatiguée. C'est la fatigue. Hein. Alors, Jonathan Marc Mendes, qui est de Painted in Love, oui, ça doit être ça, qui a, lui, enfin, tout au moins, c'est ce qu'on a vu, qu'il avait fait une réalisation d'une chaise qui ressemblait un peu à ça, avec un effet cuir, avec un grand numéro 5 écrit Chanel ici. Non, pas écrit Chanel. Chanel, c'est... Ah, donc un grand numéro 5, oui, là. Et Mélène, c'était aussi inspirée de Mélène, donc, qui est une de nos fournisseurs. Un de nos fournisseurs des papiers mint. C'est le distributeur des papiers mint pour l'Europe, c'est plus précis. Ouais. Qui l'a fait aussi, qui s'est inspiré de ce qu'avait fait Jonathan. Et ben, nous, on va recopier encore une fois. Disons qu'on va vous la faire à la française. Tout à fait. Voilà, ça a été à l'anglaise, à l'espagnol, on va dire. Et maintenant, on va le faire à la française. Il y a des fois des ratés. Il y a des fois, les ratés te permettent de devenir célèbre comme les bêtises de Cambrai. C'est ça. Ouais, ce serait bien la bêtise de Charlotte. Bon, merci, vous êtes super nombreux déjà. Coucou tout le monde, j'ai essayé un peu de lire. On demande si les oreilles sont à gagner de Sylvie. Normalement, elles faisaient de la lumière, mais elles ne font plus de lumière. Mais il n'y a plus de piles. À force de les utiliser, vous savez, voilà, il n'y a plus de piles. Lisa a des petites oreilles, me demande si elle a aussi le reste du costume de Bunny Girl. Non, j'ai juste la queue des fois. Je ne vous ferai pas voir. La petite queue de Bunny, j'entends. Hein. Ouais, allez. Je vous fais des grands yeux. Tu m'as fait peur. Allez, recoucou. J'espère qu'on est bien cadré parce que je suis un peu plus grande que toi, maman. Tu je vais soulever un peu s'il faut. Tu me diras. Là, je suis assez... C'est bon. Ouais, t'es juste là. Ouais, eh bien, écoutez, on va s'asseoir. Hop. Bon, la table, elle a descendu 10 cm. T'as de la chance qu'on est en live. Donc voilà, l'idée c'est de peindre effectivement du tissu. On a déjà fait des lives sur la peinture sur tissu. Là, l'idée c'est la même chose, sauf qu'en plus, on va lui donner vraiment, on va essayer du moins, de lui donner un aspect cuir, un cuir vieilli. Donc voilà, j'ai déjà bien évidemment préparé, vous ne voyez pas, mais ici à côté de moi, j'ai un fauteuil qui est déjà peint, sur lequel il ne manquera plus qu'à faire la finition.
Et ici, je vais vous montrer comment on le peint. Je ne peux bien évidemment pas vous faire toutes les étapes en live parce qu'il faut 24 heures environ de séchage entre chaque étape. Donc, je vous explique tout ça. Il y a Nancy qui dit « Tu dois avoir le rangement pour les appareils détournés au relooking, hein, puisqu'on a le sèche-cheveux, le micro-ondes, les passent, et maintenant le placard déguisement. » Oui, c'est vrai. Je vais juste reculer un peu. Et je ne répondrai pas à Wilfried. Pourquoi ? C'est des oreilles de lapin ou de cochonne ? Non, mais c'est vrai, c'est quoi les oreilles ? C'est des oreilles. Elf. Moi, ça me fait penser aux oreilles de Astérix, quoi. C'est ça. Allez. Donc, pour peindre le tissu. Ça y est, t'es assise, ma Charlotte ? Mais pas longtemps. J'en peux plus, je vous assure. Alors, hier, j'avais mis mes couvertures. Bienvenue au Père Lachaise, pilou, pilou. Salut, Michael. Des bisous. Des bisous. Donc, hier, j'étais en Converse toute la journée, ultra plat. J'ai eu trop, trop mal aux pieds. Là, j'ai mis mes chaussures de running et j'ai quand même mal aux pieds. Donc, pour peindre du tissu, on dit de peindre du tissu, mais on va plutôt employer les bons termes et dire on teint le tissu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien diluer votre peinture pour qu'elle pénètre la fibre du textile et non pas qu'elle reste en surface. Donc, on teint, mais tout ça, je vais vous montrer. Moi, mon outil vraiment pour ce... Alors, vous savez que je l'adore, mais encore plus pour cette technique, le brunisateur, c'est le top du top. Donc, ce que je fais dans un premier temps, on va déjà préparer la peinture. Donc, j'utilise la couleur. Alors, ce n'est pas le coup d'origine parce que moi, en atelier, c'est plus simple que je vois à travers mes peaux. Mais c'est la couleur Arles des peintures Anislon. Hop. Et là, j'ai encore mon bâton mélangeur. Dedans ? D'avant-hier, hein, quand j'ai vu. Donc, elle est devenue très, très épaisse, la peinture, mais il n'y a aucun souci. Elle est encore... mais vous voyez, elle est très, très épaisse. Elle est encore tout à fait bonne et utilisable. Je ne voudrais pas abîmer mes fleurs derrière. Donc, j'en prélève un peu. Je ne vais pas faire beaucoup de peinture sur le tissu. Là, on va surtout se concentrer après sur la finition. Ah, excusez-moi, je n'ai pas fait la mise au point. Hop, voilà. Donc, je prélève donc de la peinture et j'y ajoute de l'eau. N'ajoutez pas une grosse quantité d'eau tout de suite. C'est exactement comme quand vous mettez du lait dans la farine. On met un petit peu de lait, on mélange, on remet du lait. Sinon, ça fait des grumeaux et là, ce serait difficile de bien dissoudre la peinture dans l'eau. Donc, petit à petit, je vais mettre un petit peu d'eau et je délaye ma peinture dans l'eau. Donc, bon, rien de fou, hein, y a rien de compliqué. Hein. Donc là, on va dire que j'arrive à une consistance de peinture habituelle classique, parce que celle-ci était bien épaisse. Mais il faut bien sûr que ce soit bien plus liquide. Alors, petite chose, là, je vous montre directement la couleur Arles sur le tissu. Moi, quand j'ai peint mon tissu, pour que ça aille plus vite, j'ai d'abord passé une couleur de French linen qui est un gris top pour neutraliser les couleurs. Comme on vous a dit, donc c'est exactement le même tissu. On vous avait parlé que le gris neutralisait les couleurs. Ça me permet vraiment d'avoir presque une toile vierge avant de pouvoir travailler. Ça va vraiment neutraliser les couleurs. J'aurais moins besoin de mettre de couches de Arles en mettant une couche de gris avant. Dis-moi, tu as une question ? Alors oui, Sigrid qui demande, on peut les garder combien de temps une fois entamées ? Donc, je pense qu'elle parlait des pots de peinture. Alors, celui-ci, je vais mettre le... Oh, pardon. Je vais mettre le retour, moi, sur mon téléphone. Excusez-moi. Celui-ci, je l'ai entamé au tout début qu'on a fait les peintures, parce que j'ai dû entamer toutes les peintures, bien évidemment. J'ai jamais entamé de peau, parce que ce n'est pas une couleur que j'utilise souvent. Donc, ça fait combien de temps que c'est ouvert depuis ça 2016. Bah, peut-être pas celui-là. Bah, si, j'ai jamais les a pas utilisés ces peaux. Là, j'ai transvidé mon pot métallique dedans. Enfin, oui, ok. Oui, donc, je pense que ça fait 5 ans que j'ai cette couleur. Elle a juste beaucoup épaissi, mais elle va encore nickel. Je vais rebondir sur une observation de Sybille. Parce qu'ils parlent du brumisateur et ils disent que le brumisateur est super. Et Sybille dit surtout pour les vacances. Oui, on arrive bientôt l'été. Pensez à emmener votre brumisateur quand vous allez sur la plage. Ouais, c'est super agréable de pouvoir s'asperger le corps ou au moins le visage avec une brume d'eau.
Et voilà, c'est génial. C'est plus écologique que de racheter des bombes. Des bombes, des aérosols. Des bombes aérosols. D'une grande marque d'eau, on va dire, ouais, par exemple. Après, si il s'entartre un peu, vous pouvez de temps en temps le faire avec du vinaigre pour que le tamis soit détartré. Voilà. Donc, moi, je le fais de temps en temps. Hop, donc je continue moi de délayer ma peinture. Et pour les orchidées également. Enfin bon, c'est ça n'est pas que pour. Alors vous pouvez en acheter trois, un pour la peinture, la plage, et pour le repassage aussi. Oui, très gros. Corinne, elle l'utilise. Voilà, je lui en ai offert un. On a une copine qui fait notre passage et je lui ai donné un brumisateur. Enfin, une copine qui fait notre passage, on la paye quand même. Non, mais ça fait style. Vas-y, on donne le linge à repasser à notre copine. C'est pas dans ce sens-là. C'est son job et on fait appel à elle. Hop ! Comme t'as dit déjà, le gars qui peint les fauteuils tout à l'heure. Je sais pas. Voilà, donc ça. Pour évacuer le chien quand il vient trop près. Moi, quand ça, c'est ma consistance. C'est vraiment de l'eau, c'est pas de la peinture, c'est de l'eau. Presque du lait. Ouais, c'est très très liquide. Donc sur mon autre fauteuil, là je vais pas le faire par souci de temps. Sur mon autre fauteuil, j'ai mis du scotch sous Quoi ? Tu fais pas le gris. Non, je l'ai dit que normalement on met d'abord le French linen. Pour neutraliser les couleurs, c'est mieux, mais que là, je vais passer directement juste pour vous montrer comment peindre du tissu. J'ai scotché tout mon fauteuil sur l'autre pour que ce soit plus simple. On perd du temps. Attends. Ah, oh, non, c'est là que je bloque. Oui. Enfin, bref, j'arrive pas. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai protégé tout mon fauteuil pour pas être embêté. Au moins, je peux déborder sans souci. Je l'ai fait en dessous des clous. Alors, vous pourriez me dire pourquoi tu ne l'as pas fait au-dessus des clous, comme ça, tu n'es pas embêté à peindre les clous. Ah, C'est parce que vous avez aussi du tissu entre les clous et donc au moins tout le tissu est teinté. Donc, j'ai mis mon scotch en dessous, mais ça, on le verra après. Là, je ne le fais pas, mais chez vous, faites-le, c'est mieux. Alors, pour répondre à Jérôme, c'est Jonathan Marc Mendes. C'est ça, qui a fait un super fauteuil. D'ailleurs, lui, il vend ses… Ouais. Il vend ses tutos, si vous voulez lui acheter des tutos. Nous, on vous les montre gratuit. Mais il y a plein d'autres tutos, effectivement, sur son site. Donc, je charge mon pinceau. J'ai pris le pinceau moyen de chez Alison. Vous me demandez souvent la différence entre le moyen, le petit et le gros. Donc, le petit, le moyen, et après, j'ai encore la taille supérieure. Hop, et tout simplement, oups, non. Mon brumisateur, et je viens d'abord humidifier tout mon tissu. Alors, pourquoi j'humidifie le tissu ? Comme ça, il est déjà humide. Quand je vais appliquer mon mélange peinture, la fibre, vu qu'elle est déjà humide, elle va plus facilement reprendre l'humidité avec les pigments. Parce que si je ne l'humidifie pas, il n'y a vraiment que l'humidité qui va tout de suite être absorbée par le tissu et qui va donc séparer l'eau des pigments. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le fait d'humidifier le tissu avant, ça va vraiment aider à la pénétration du mélange peinture et eau qu'on va appliquer par-dessus. Donc, Jérôme, j'ai répondu. Hein, Jonathan Marc Mendes, je l'ai écrit. Comme ça, tu as le nom exact. Voilà, donc une fois que c'est fait, je viens, tu vas pouvoir zoomer un petit peu. Bien. Voilà, je vais pouvoir donc teindre mon tissu. Donc bien sûr, ça ne recouvre pas en une couche. Si vous recouvrez directement vos motifs en une couche, c'est que ce n'est pas assez dilué. Et comme maman le dit, ça va devenir du carton, votre tissu. Donc, pour les protections, tout ça, on va y venir petit à petit. Hein. Laissez-moi faire vraiment le live dans l'ordre. Normalement, je ne pourrai rien oublier parce que je suis obligée de faire toutes les étapes vu qu'on les fait toutes ensemble, même si on ne les fait pas sur le même fauteuil. Donc, voilà, je teins
Alors, je réponds en même temps aux questions qui sont posées. On utilise les peintures Amislone. Vous pouvez utiliser la peinture Dixibel également. On l'avait fait sur notre premier live, justement, la peinture. D'autres peintures peut-être, je ne sais pas, on n'a pas essayé. Je vais être franche, hein, je pense que oui, les peintures à l'eau. Peinture à la craie, peinture minérale. Maintenant, nous, on sait qu'avec Amislone et Dixibel, ça fonctionne. Voilà, donc il suffit de recouvrir le tissu. Alors, le tissu n'est pas lisse. Je ne sais pas si on peut voir. Mais il n'est pas en relief non plus. C'est la fibre est différente au niveau des motifs. Je vais essayer de faire un plus gros plan pour qu'éventuellement vous voyez. Mais voilà, je ne peux pas faire mieux en gros plan, mais ce n'est pas lisse, mais ce n'est pas en relief non plus, un petit peu. Remonte un petit peu dessus. Bah, je vais enlever le gros plan peut-être. Hop. Donc, moi, le fait... Je vais juste rajouter de l'eau parce que là, j'ai tous les pigments qui se sont déposés dans le fond. Je préfère personnellement devoir appliquer une couche de plus plutôt qu'appliquer ma peinture plus épaisse. Donc, moi, sur l'autre fauteuil, il y a eu une couche de peinture French Linen pour neutraliser, c'est-à-dire ma couche de French Linen a un peu plus uniformisé les couleurs que là, on voit encore à travers. Parce que le gris va neutraliser les couleurs, donc on voyait un peu moins déjà ces effets de couleurs. Et après, j'ai appliqué deux couches de orange, donc de Arles. Alors, est-ce que la peinture en pénétrant le tissu ne vient pas durcir ou abîmer la mousse dans l'assise du fauteuil? Ce qu'il faut faire, c'est humidifier votre tissu, ne pas détremper votre tissu. Donc, le fait de l'humidifier un petit peu, vous allez assouplir la fibre et la fibre va être prête à recevoir la teinte, la pigmentation qu'il y a dans la peinture. Donc, les pigments vont pénétrer plus facilement la fibre. Donc, vous humidifiez, j'insiste. C'est-à-dire qu'il faut prendre un brumisateur et non pas un vaporisateur qui va vous faire un jet d'eau et ça va être différent. Ce qu'il faut, c'est vraiment mettre une brume d'eau pour humidifier votre tissu pour qu'il soit la fibre soit assouplie et prête à recevoir la teinte de la peinture. Si vous détrempez votre tissu, si vous êtes sur une garniture mousse, ma foi, et encore, s'il y a des cols, vous pouvez avoir des remontées des auréoles. Et si c'est du crin, c'est encore pire. Donc, il faut faire attention. Vous humidifiez, j'insiste, en grand majuscule souligné, en gras. Vous humidifiez votre tissu. Voilà, bon, donc ça, c'est la façon dont on pose la peinture. Alors, il y a Ingrid qui a dû poser une question, mais je n'ai pas compris. Je parle du bois qui a été protégé, mais je n'ai pas compris comment. Alors, je ne sais pas de... Je vais vous montrer juste après. Je me suis mis une écharpe dans la main tout à l'heure et ça me picote. Donc, on va juste inverser maintenant les fauteuils. Donc, ça, c'est la version chaise. Moi, j'ai la version fauteuil derrière. Donc, nous, on a préparé le travail en travaillant sur d'autres supports. Pour pas attendre les temps de sèche, parce qu'une fois que vous avez fait la première couche, vous allez devoir laisser sécher au moins. Une journée. J'ai un petit peu accéléré parce que j'ai eu la chance qu'il fasse bon dehors. Donc, j'ai sorti le fauteuil et je l'ai mis au soleil. Voilà. Voilà, il faut vraiment, pour appliquer votre deuxième couche, la première soit sèche. Donc, tu peux dézoomer, s'il te plaît. Alors, je vais moi aussi vous parler en tant que tapissier. C'est un bon compromis de peindre. Maintenant, ça ne remplacera pas le fait que de refaire le tissu. Hein. Non, c'est vraiment... Ça reste plus un fauteuil d'apparat, à mon sens. Après, il y a Corinne qui est peut-être là, Corinne Comodini, qui en a fait, plusieurs de fauteuils. Deux ou trois. Un qu'elle avait peint en French linen, un autre qu'elle avait peint en Antoinette, je pense, oui. Ou un rose pâle, et sur lequel elle avait mis d'ailleurs du transfert. Donc, vous pouvez mettre des transferts, mais sur l'extérieur... De sur vos fauteuils, hein, sur le dos extérieur ou sur les joues, sur le côté. Donc ici, comme je vous disais précédemment, le fauteuil a reçu une couche de French linen pour neutraliser les couleurs. Il a reçu deux couches de Arles.
Puis, je suis venue nuancer légèrement. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Oh, j'ai plus le live. Dis-moi si... Ben, je ne sais pas si c'est des ombres. Moi, je vois un peu, mais il y a un petit peu les ombres. Si il faudrait enlever la lumière derrière toi. Voilà. Ben, il y a celle-là pour... Bref. On ne voit pas le voisin. Celle-là, elle y va ? Elle y est ? Non, elle ne va pas. Voilà. Voilà, donc j'ai légèrement après nuancé les contours. J'ai donc ajouté un tout petit peu de la couleur primer red dans un rouge. Un rouge marron. C'est ça. La couleur primer red, un rouge brique, brique à l'ancienne. On fait une mise au point. Bon, moi, c'est les anciens, c'est les très vieux pots, ceux-là. C'était les pots de 100 ml. Maintenant, ils sont la couleur, 120 surtout. Ml. Voilà. Vous voyez au niveau de la couleur. Donc, j'en ai mis un tout petit peu. C'est un rouge brun. J'en ai mis un tout petit peu dans mon mélange déjà de Arles. Voilà, donc ça, c'est pour donner quelques nuances par-ci, par-là. Entre chaque couche, surtout, alors moi, ça a déjà été fait. Je réfléchis. Si, si, ça a été fait, sauf sur là où j'ai ajouté du primer red. Je vais quand même vous montrer. Entre chaque couche, vous poncez. Je cherche les sanding pads que tu m'avais ramenés là. Je les avais laissés sur la table tout à l'heure. Et comme on a bougé, on a fait plein de bazar après. Donc, vous poncez entre chaque couche, ce qui permet que toute la craie contenue dans la peinture, bah non, normalement, il y a un lot, on a sorti un nouveau lot. Toute la craie qui est contenue dans la peinture et, qui, est, là, ouais, et qui est restée en surface, hop, voilà. Vous allez la poncer et donc enlever tout ce surplus de craie qui rigidifie votre tissu. Donc, il y a Sylvie qui revient sur les transferts. Les transferts ne résistent pas, à mon sens, au frottement régulier. Il faut savoir que les tissus destinés au siège subissent des tests à l'abrasion, donc à l'usure. Donc, un transfert posé sur du tissu, il ne faut pas se leurrer. Ça non, tient... au-delà de ça, le transfert n'est pas flexible. Votre tissu, voilà. Quand vous allez, si vous mettez une fleur là, votre tissu, quand vous allez vous asseoir, le tissu va bouger, alors que le transfert ne pourra pas bouger. Donc forcément, votre transfert va se craqueler parce que ce n'est absolument pas extensible. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai protégé sous les clous pour vraiment bien venir teindre le tissu qu'il y a entre les clous. Après, je viens, avant de poser ma finition, je viens nettoyer tous les clous. C'est ce que je faisais avec ma petite brosse à ongles. Donc, je passe un petit coup humide. Je vais faire un gros plan. Je refrotte. Oups, je fais l'inverse. Donc, on évite effectivement de faire monter les chiens, les chats. Et ça va rester plus un fauteuil d'apparat. Il ne refera pas 15 ans, votre fauteuil, si vous l'avez repeint. Voilà. C'est bien pour changer le style, pour lui donner une nouvelle jeunesse, alors que vous l'auriez mis aux encombrants. Parce que là, si vous n'avez pas les moyens de faire retapisser votre fauteuil que vous aimez plutôt que le jeter aux encombrants, ça peut être sympa de lui redonner une seconde vie comme ça. Par contre, effectivement, ça ne remplacera jamais une réfection complète chez un tapissier. Là, il faut pas. Donc voilà, vous voyez, moi, je nettoie après les clous. Alors, on utilise le brumisateur à chaque fois ? Oui, toujours. Vous réhumidifiez à chaque fois votre tissu. Donc, on voit bien les clous, là ? Oui, oui. Vous voyez, les clous sont peints, sont tout pas beau, encrassés. Donc, je viens bien déjà passer ma lingette sur les comme la peinture n'est pas protégée, elle s'en va. Voilà. Et ensuite, je prends ma brosse à ongles. Voilà. Je m'enlève. Non, les clous ne vont pas rouiller, hein, ils ne vont pas tremper dans l'eau pendant. Non. Pour que quelque chose rouille, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'eau et après que ce soit à nouveau à l'air. Donc là, on les mouille, on les essuie, donc non, ils ne vont pas rouiller. Donc, je passe bien entre chaque clou pour enlever le surplus de peinture. Après, moi, ça va vraiment être un effet vieilli, hein, donc pas de panique. Ici, c'est là où je vais vraiment travailler un peu plus avec le plus foncé. Voilà, puis je pourrais pas bien nettoyer mes clous tout le temps, j'aurais dû le faire avant. Et puis, comme le dit Bamal, c'est vrai qu'on va faire ça sur un fauteuil. Vous n'allez pas faire ça sur un fauteuil estampillé, hein ? Hein, d'accord ? Donc, estampillé, c'est les fauteuils qui sont des vrais, ce n'est pas des copies. Donc, si vous devez le faire, faites-le sur un fauteuil ancien. Tu veux faire quelque chose ? Non, ben, oui, quand même. Là, on voit bien les nuances, quand même, je suis contente. J'avais préparé normalement quelque chose.
Voilà. Donc là, vous allez voir sur ce fauteuil, quand j'ai commencé à peindre avec la couleur French Linen, vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure quand on a appliqué le... Il ne voit pas ton doigt. Non, je... par rapport à tout à l'heure quand on a appliqué le orange directement. Je vais vous remettre le fauteuil à côté. Sur les... Oui, parce que là, c'est bon, on voit quand même. Bah non. La photo. Bah non. Attendez. Bah non, du tout, je suis là-bas. Attendez, hein, on ne bouge pas. Voilà. Donc là, directement, le Arles sur le tissu, c'est exactement le même tissu, c'était le même fauteuil. Hein. Et là, vous voyez que là, on unifie plus avec le gris qu'avec l'orange. C'est ça que tu voulais dire ? C'est ça, tout à fait. Hein, vous voyez, là, l'orange, une couche. Là, le gris, une couche. C'est les mêmes tissus, les mêmes teintes. Et relativement à la même dilution. Après, je ne mesure pas. Voilà. Mais... voilà, donc ça, c'est quand on a peint. Et après, vous allez voir ici, c'est quand on passe donc le Arles. Là, ce ne sont pas mes photos, ce sont les photos que Bélène a bien voulu que je lui prenne. Donc, je la remercie encore. Et ça, c'était notre fauteuil donc avant. Voilà. Allez, j'y retourne. Donc, une fois que votre tissu est sec, moi, je prends, tu peux dézoomer, s'il te plaît. Hein. Je te dirai quand tu donc prends. Donc là, on a laissé le tissu sécher. À chaque fois, au moins 24 heures. Enfin, idéalement. Voilà, c'est ça. Attendez, là, j'ai un peu trop de peinture encore. Voilà. C'est obligatoire le French linen ? Non. Un gris. Vous n'êtes pas obligé, mais dans ce cas-là, il va vous falloir au moins deux couches supplémentaires d'orange. Au lieu de faire une French linen, ben, ça dépend. Ça dépend. Si tu pars d'un tissu uni, oui, c'est pas gênant. C'est surtout intéressant quand vous avez un tissu motifé avec des couleurs différentes. Pour unir, ça neutralise et ça uniformise plus vite le fond. Voilà. Donc, une fois que c'est sec, on passe le sanding pad. Donc, moi, j'utilise les sanding pads. Je vous les présente très souvent. Là, j'en ai pris des tout neufs pour vous, hein, des tout propres et tout. Hein. Donc, grain fin, grain moyen, grain épais. Faites attention, n'utilisez pas le grain épais. Le grain est beaucoup trop gros. Vous pourriez abîmer un peu la fibre de votre tissu. Moi, j'utilise le grain moyen et je n'appuie pas trop fort. Dis-moi. Il y a plein de choses qui se disent. Alors, évitez les velours à poils longs. Merci, Nancy. C'est vrai que c'est plus compliqué à faire, quoique moi, j'ai vu faire une moquette. Donc, le French linen sert à neutraliser les couleurs tout à fait. Et un donc, French linen, ça peut être aussi un gris, un Paris gris, un gris. L'idée, c'est de mettre un gris. Voilà. Donc, une fois que ça s'est fait, que c'est sec, je l'ai déjà fait moi là, mais je vais quand même le refaire. Vous allez le sentir quand même malgré la bonne dilution de la peinture. Ça va rester rêche. Ça va faire un peu cartonneux malgré tout. Donc, on passe le sanding pad. Le sanding pad, malgré là où je l'ai déjà fait, je ne vais pas trop appuyer parce que sinon, mais vous allez voir. Ça se verra peut-être plus bien. Enfin, moi, je l'ai déjà fait. Et là, il faut que je fasse attention parce que je rattrape la teinte du fond. J'aurais pas dû le faire. J'aurais dû le faire en live avec vous. Mais quand vous allez passer le sanding pad, vous allez enlever l'excès de craie, l'excès de pigments, etc., qui reste en surface. Et donc, vous allez le sentir tout de suite au toucher, là où vous êtes passé et là où vous n'êtes pas passé. Ça va redevenir doux et plutôt souple. Là où vous êtes passé avec le sanding pad et là où vous n'êtes pas passé avec le sanding pad, vous allez sentir que c'est plus rêche et plus dur. Il se moque d'Alex, il dit que dès que tu les auras utilisés, tu les donneras à Alex. Je vais essayer de lui faire un bon gros trou au milieu alors. Voilà, Alex, voilà. Il y a un trou à chaque fois. Hein. Alors, attends, je vais montrer ça. Hop. Non, c'était bon, j'ai pas dit cette fois-ci. C'était pour du vrai. Attendez, je vais hop. Question bonus. Alors, la question du moment. On l'a pas. Ça y est, vous savez que c'est le dernier live. Alors, hier, on perdait tout à 20h. Alors là, ça va être encore pire. C'est là. Je l'ai. C'est la what. Donc, première. Hop. De toutes les matières. C'est la what qu'elle préfère. Allez, en tiens. En attendant.
Tu peux montrer ça. Et hey, alors, pour vous préparer au relooking de votre fauteuil, un petit pot de Arles et un petit pot de cire. Et les deux, vous verrez à la fin ce que ça va faire. Il en manque un petit peu, hein. Ouais. Bon, idéalement, il faudrait du gris, de la cire brune et de la cire. On vous dira tout. Voilà, donc. Les sanding pads, le brumisateur. On veut un package, quoi. C'est ça. Non, mais voilà, pour vous entraîner ou pour faire toute autre chose, j'ai pris la couleur qui était, qu'on utilisait aujourd'hui, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser sur un fauteuil, bien évidemment. Donc, oh, je vois qu'il y a 41 commentaires en attente. Mon Dieu, trop drôle. Apparemment, ça leur plaît. Donc, la question. Je vais pas les mettre là, on va les. La question est. Donc, pour le plus rapide d'entre vous qui répondra et dans mon ordre, bah vas-y, je vais le lire. Ah, tu veux le lire, toi? Attends. La première, hein, surtout trompe-toi pour moi. Alors, vous êtes prêts à vos champignons? Top départ! Comment s'appelle la ville dans laquelle se situe l'usine de peinture à Nislone? Répète-le au ralenti quand même au cas où. Comment s'appelle la ville dans laquelle se situe l'usine de peinture à Nislone? Nancy, Jonathan Marc Mendes, tambour. Londres, non. J'attends. Hop, c'est bon, j'ai une réponse. Hop, 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 hop. Elle est partie. Non, c'est bon, je l'ai. Donc, il y en a eu trois d'affilée. Mais la première, c'est Christine Van Kampenhout. Une belge, une belge, une fausse. C'est toi qui as gagné, ma copine. Donc, c'est Oxford, effectivement. L'usine des peintures à Nislone se trouve à Oxford. Alors, je ne vais pas dire qu'on commence à le connaître par cœur, Oxford, mais presque. Hein, on y est allé quand même. C'est vrai, il ne faut pas que je le dise. C'est mauvaise. Et la ben... la la la. Allez, la suite. Deux. Deux belles questions bonus grâce à Isabelle. La deuxième question bonus, parce que vous êtes des filous, vous seriez allé voir sur le site combien de fois sommes-nous allés à... Non, combien de formations à Nislone avons-nous suivi? Combien de formations à Nislone avons-nous suivi? Donc, c'est de nouveau pour gagner de la peinture à Nislone, sauf que là, ce sera la couleur primer red. Allez, à vos claviers. Alors, combien de formations à Nislone avons-nous suivi? Une, deux. Oh mon Dieu, il y a eu plein de réponses. Quatre, cinq, six, non. Alors, combien? Attends, je vais chercher, je suis remontée tout en haut. Hop, c'est bon, j'ai une réponse. Oh, puis en plus, elle a fait une réponse longue. Enfin, longue. C'est Chantal qui a eu le temps d'écrire quatre fois. Elle a même écrit le fois. Donc bravo Chantal, effectivement, quatre fois. Donc nous sommes allés. Trois fois à Oxford et une fois à Paris. Voilà, en personne avec un Nislone. Normalement, les formations produits se font. Enfin, ouais, les formations se font à Oxford. Quand la formation est passée et qu'il y a des nouveaux revendeurs qui viennent, ils font des formations avec Astrid, Astrid à Paris, mais il est demandé à ce qu'une vraie... Enfin, je ne veux pas mettre... Non, mais voilà, on fait des formations... Comme ça, on rencontre à Nislone, on rencontre son équipe, éventuellement on visite l'usine, on voit des techniques un petit peu particulières, et une fois c'est à Nislone qui est venu à Paris... et on a fait la formation de ce qu'on a vu tout à l'heure dans le gris noir. Et petite photo souvenir. Voilà, petite photo souvenir de Charlotte qui prenait son déjeuner avec Nislone parce que c'est très, très, très convivial. Ouais, donc on mange avec elle, etc. Le midi, on mange ensemble et le soir, on se retrouve tous dans une taverne et on boit des bonnes bières de 75 centilitres. C'est ça. On boit un coup, trois coups. Parce que pour la petite histoire, on se fait après la sortie du boulot, donc c'est tôt hein, chez eux, il est 17h environ, on va boire une bière, mais après on va dans un bar à tapas. Et là on boit des mojitos et des mojitos et des mojitos. Et Oxford, une très belle ville, oui, et on a eu la chance de dormir dans le campus où a été tourné le film Harry Potter. Certaines scènes du film Harry Potter. Dont la grande pièce la salle de déjeuner, voilà. Enfin bref, allez, on y retourne parce que... Ouais, parce que là, ça fait une longue pause du coup. Donc, bravo. Donc, la peinture, là, c'était... donc, la première fois, c'était Arles plus la cire. Et maintenant, le deuxième gagnant, c'était Primer Red. Donc, c'est la couleur que j'ai aussi utilisée ici avec la cire. Le rouge, donc.
Bon, maintenant, moi, mon fauteuil, je voudrais lui ajouter une petite note quand même sympa, un petit côté fun et décalé. Donc, j'ai choisi un pochoir. Comment tu vas faire pour le faire? Je ne sais pas. J'en sais rien, maman. Je crois que je vais coucher mon fauteuil. Ben alors, il est coincé. Donc, le pochoir que je vais utiliser, je vais le mettre sur le dossier intérieur. Donc là, c'est un pochoir. Ça n'est pas un transfert. Tu vois? Approche. Il oui, y a le prix. Approche. Tout. Approche. Ah bah dis. Donc voilà, le motif, ça va être un chat avec un œil, un lorgnon et un chapeau à plumes. Donc voilà. On va mettre sur le dossier pour un côté décalé. Un peu décalé. Donc je vais mettre moi en position, il faut que là ce soit pratique. Quand donc si elle dit, et de manger des beans au petit déjeuner, ah ben nous on mange des beans, des œufs, des tomates. Des champignons. Des champignons. Des mushrooms. Des mushrooms. Mushrooms. Et après, des petits pois aussi. Il n'y avait pas des petits pois. Bar à tapas en Espagne, mais bah, en Angleterre, on trouve de tout. Hein, donc, on va dans un bar à tapas. Ouais, et c'était vachement bien. Il y avait de la musique et tout. C'est ça. Bon, j'espère quand même que vous allez voir. Un monocle. Merci, Joël. Je cherchais le nom. Dans quel sens je le mets? Le monocle à droite ou le monocle à gauche? Comment? Oui, je monocle à droite. Attention, le bouquet de fleurs, moi, ça me fait peur. Mais non. J'ai pas prévu ma peinture pour mon pochoir. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Alors nous, la première fois qu'on y est allé, en fait, on arrive dans la salle et la première chose qu'on voit, c'est un buffet de petit déjeuner européen. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. Oui, non, c'était la deuxième fois ça. Et donc, ben, nous, en français, on prend un croissant, un machin. On arrive dans la salle, qu'est-ce qu'on voit? Le buffet avec les champignons, les œufs et tout. Eh ben, on s'est refait une deuxième assiette. Hein. Ah, il fallait pas qu'on passe à côté. Non, c'est vrai. Donc, on a mangé au petit-déj de la saucisse, des beans, des haricots. Tu sais pas où il est, mon pot de graphite? J'aurais bien aimé le faire en graphite. Je l'ai utilisé tout à l'heure pour ce matin pour les jardinières. Bon, je vais essayer de me placer au mieux pour que vous puissiez voir également. C'est graphite. À l'islam, donc? Ben oui. Je les ai utilisés ce matin avec là, le... Là. Ah, ben, donne-le-moi, s'il te plaît. Oh, on n'est pas préparé là. Hein. Bah, j'avais oublié que je devais faire mon pochoir. Merci. Parce que si tu pouvais, si j'enlevais ce bouquet là. Oh les gourmandes, ah oui. Ah nous, on est très gourmandes en tout. Hein. Épicuriennes. Et ouais, au fait, vous avez remarqué dans quoi sont nos fleurs? Ah oui, je devais vous le dire. Alors, encore merci pour les fleurs, mais avez-vous vu dans quoi j'ai dû les mettre? Parce qu'on n'a pas l'habitude qu'on nous offre de si gros bouquets. N'est-ce pas, nos chéris? Oui. Donc, voilà, on n'a pas l'habitude. Donc, j'ai pas de grand vase. J'ai dû utiliser les pots dans lesquels je... Melon vanille, celui-là. Dans lequel je fais mes rhum arrangés. Voilà, c'est mes gros bocaux pour mon rhum arrangé. Hop. C'est bon, c'est prêt? Voilà, on verra peut-être mieux faire comme ça, non? Ouais, puis je vais me mettre parce que ça va prendre un petit soin quand même. Il y a une bouteille dans mon verre. Donc voilà, c'est ma couleur graphite de chez Annie Sloan. J'aurais aussi fait la gourmande. Ah bah ouais, alors on s'est fendu. Alors les œufs, c'est soit l'huile, soit l'eau. Poché aux fruits. Des champignons, des tomates, du fromage. La saucisse. J'ai pas mesuré. Bon, je vais faire à l'œil. Normalement, là, je suis bien. Donc, l'idée, c'est pas non plus de faire... Je veux pas qu'il soit trop marqué. Je veux pas non plus qu'on voit rien. On remarque que les botocos sont vides. Maintenant, ils sont pleins, là. Ils sont pleins de fleurs. Ils sont pleins de fleurs. J'en avais fait 4 gros bocaux comme ça. Donc, c'est quoi celui-là, là? Ah ouais, passion litchi, fruit de la passion litchi. Alors, voilà, je disais, je ne veux pas qu'il soit complètement net, mais il faut quand même que le pochoir se voit, mais je ne vais pas le faire trop marqué. Il n'y a pas une blague avec des fleurs, il y a un pot de fleurs, et la femme, quand elle n'a pas de fleurs, quand elle n'a pas le vase? Non, c'est quoi? Ah, arrête. Non, celle-là, on n'a pas le droit de la dire. Donc, je prends un peu... Moi, je ne buvais pas. Non, si. Ben non, hein. Elle ne buvait pas? Oui. C'est pas. Tu fiches ma gueule?
Et tu fiches toi ma gélule, Nancy? C'est vrai, non, je crois. Elle ne boit pas. Bah, peut-être pas. Hein. Elle ne boit pas, Nancy. Non, elle ne boit pas. Ah, mais c'est elle, en fait, qui ne boit pas. Bah, elle ne boit pas des masses, oh, Nancy. Je sais plus. Contrairement à nous, c'est ça. Donc, allez, j'attaque mon pochoir. J'espère que je suis bien centrée. Hein. Même les infinis avant de mettre les fleurs. J'ai dû faire vite, vous comprenez l'état d'hier. Hop, allez, je commence à faire mon... Je fais le rond autour, en fait. Comme tu veux, non. Je vais d'abord faire le chat et on verra. Tu le replaceras après si tu veux. Ouais. Bon, je vais essayer de vous rapprocher. J'ose pas bouger ma caméra, sinon je risque de faire des bêtises. Enfin, ça risque de couper. Donc, je vais essayer de vous faire un gros plan. Donc, vous voyez que Charlotte a pas fixé, elle a mis un collant vite fait. Puis surtout, elle met ses mains à l'endroit où elle tapote. Où elle putoise. Pour que le pochoir ne se décolle pas trop de son support et pour que ce soit plus net possible. Voilà, mais je travaille quand même très très déchargé. Hein. Déjà parce qu'il ne faut pas surcharger le pochoir sur le tissu. Et puis, comme je vous ai dit, je ne veux pas que ce soit trop, trop net parce qu'on va quand même lui donner un aspect cuir vieilli. Est-ce que toutes les promos du week-end seront sur le site, s'il vous plaît? Elles y sont déjà depuis vendredi soir. Vous avez un onglet Live en folie où on retrouve la liste de toutes les promos. Voilà, Sandrine. Et elles sont disponibles donc jusqu'au 6 juin. Alors, il y a Sybille qui demande qu'on raconte... La blague de la porte. Non, je ne peux pas. La blague de la porte. Je croyais la blague de la femme. Non, la blague. Alors, je vais vous la raconter tant qu'elle travaille. Non, mais je ne vais plus réussir à raconter. Travailler. Si. Donc, c'était notre première formation à Oxford. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, nous, on est au nord, hein, vu qu'on est près de Calais, finalement. Donc, on part du genre 5h du matin pour arriver au port de Calais. Nous, on a tout fait en voiture. Hein. Et finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé au port. On était là, enfin, au shuttle. On était là une demi-heure avant le départ. Et finalement, ils nous ont fait paroter 1h30. On a pris le suivant. Donc, tout a été décalé. On arrive en retard déjà à Charlisson. Donc, énervé, tout ça. Et c'est là qu'on rencontre aussi Nadine. On rencontre Nadine de Amachi Transfert, pour la petite histoire. La formation se passe, donc tout en anglais. Alors, enfin, je parlais un petit peu anglais. Il y avait Astrid qui était là pour traduire, mais malgré tout, on essaye de comprendre toutes les informations. Ouais, le cerveau, il s'en prend plein. Donc, le cerveau, il mouline. Bref, 17h, on va boire un coup, on va au pub, tout ça. Donc, on commence la fatigue, la bière. Le pub terminé, ben, on va au truc de Mojito, au bar à tapas. Non, nous, on arrive au bar à tapas, donc sympa, ça va, on met des tapas à travers toutes les tables, on pique à droite, à gauche, on boit un mojito, deux mojitos, trois mojitos, dans l'ambiance, youhou. Et nous, maman, t'avais jamais bu de mojito, il me semble. Oui, ça devait être mon premier mojito. C'est elle, de toute façon, qui m'a dévergondé, hein, moi, je vous dis. Et nous, voilà partis à l'hôtel, donc on prend un taxi. On ne parlait pas bien l'anglais, hein. Les garces, excusez-moi de l'expression, mais elles m'ont mise à l'avant avec le chauffeur pour que je fasse la discute avec. Qui t'a expliqué que les... Mais bref, on a eu un petit tour de touriste. Hein, Et on arrive donc à l'université où on doit se faire comprendre pour récupérer notre chambre qu'on avait. Tout s'était fait par le net. Hein. Et on était fatigués. Et le mec, il nous explique avec des plans, c'est tellement grand, où on doit aller chercher notre chambre. Nous, la partie, on ne savait pas trop où on devait aller. On rencontre deux petits jeunes qui se proposent gentiment de porter nos sacs. Alors nous... On va se faire deux gamins. Non. non, mais donc on accepte parce qu'on leur demande où on va. Ils nous montent à la chambre. Enfin, ils nous montent. Excusez-moi. Ils nous accompagnent jusqu'à l'entrée à l'escalier pour monter dans notre chambre. On arrive devant la porte. Tu veux que je le fasse? Oui. On était morts de rire. On était fatigués. Et on avait une carte. On nous voit, en fait. Mais non, t'es toute zoomée. T'es toute zoomée. On ne te voit pas parler. Oh mince, je suis toute zoomée. Hop. Voilà. Donc, on avait très envie de faire pipi. Mais très, très, très envie. Voilà. Parce que, vous savez, on est dans un bar à tapas, on ne connaît pas, on n'ose pas aller, on n'ose pas demander en anglais, tout ça. Bref, on avait très envie de faire pipi. Fatiguée, énervée. Et nous, voilà devant la porte, avec les cartes de crédit. Là, vous savez, c'est un badge.
Bah, c'est un badge comme ça, comme une carte de crédit. Je crois que c'était un badge composé sur la porcelaine. Non, enfin bref. Pas oui, donc je prends la clé, on rigole, on n'en pouvait plus. Je badge, j'essaye d'ouvrir la porte, rien. Je rebadge, j'essaye, on était morts de rire, j'étais obligée de me mettre comme ça par terre pour pas me faire pipi dessus. Et elle se dit, on est en Angleterre, tout est à l'envers, peut-être que le badge est à droite, mais il faut, faut pousser à gauche. Côté des gonds. Côté charnière. Donc elle arrive du côté des gonds, puis elle essaye, puis fou rire, pensez bien. Alors je comprenais pas, moi j'arrive, je prends le badge, je tourne la poignée, ça me semble... Ça me semble évident. Et là, j'ai jamais essayé de tourner la poignée. Elle poussait, elle n'a jamais actionné la poignée. Enfin voilà, ça c'était notre petite aventure. Mais c'est une belle anecdote, moi elle me fait. Non, ça, on a bien ri. Allez, retourne là-bas, tu peux en zoomer, j'ai tout dézoomé du coup. Bon, moi je continue en attendant mon petit chat. Je vais juste voir si je le. Ah ouais, j'aime bien comment il est tout discret. Moi j'aimerais bien qu'il ne soit pas discret. Ça va me prendre un temps fou, hein, maman. Bon, bah, il sera discret, alors. Ah ouais, on est en live. Hein. Si ah, mais qu'est-ce qu'on avait ri, cette fois-là. Et en plus, on arrive dans une chambre, une suite, un truc qui faisait au moins 50 mètres carrés. Mais c'était la chambre des étudiants, hein. Ouais, on était donc dans la chambre des étudiants, vous ouvriez les placards, vous trouvez leurs bouquins, tout ça, et des bouteilles d'alcool. Leurs bouteilles d'alcool aussi, on leur a pas piqué, hein, toujours. Non. Mais toutes les autres, le lendemain au petit déjeuner, ouais, ta chambre, elle est comment? C'est petit, gna gna, il n'y a rien. Et nous, on était les seuls à avoir une grande chambre, ils n'ont pas compris pourquoi. C'est vrai qu'on avait eu de la chance parce qu'il y en a plusieurs qui étaient par deux par chambre, qui venaient à la formation. On a été moins bien logés, on va dire, en quelque sorte, par rapport à la première fois, la deuxième année. Ouais, c'est vrai. C'était plus la troisième année, je ne me souviens plus où on était. Ouais. Mais si, on avait fêté l'anniversaire de la chambre. Oui, mais donc celle-là, je la sais, donc celle entre deux, je ne sais plus. Bref. Bon, j'essaye de me dépêcher, c'est un peu long, j'aurais peut-être dû faire le pochon. Avec des lits superposés, non, Charlotte et moi, on avait chacune une paire. Alors, par contre, c'est la chambre... des chambres en colocation pour les étudiants. La chambre, on se serait cru dans un... comment ça s'appelle? Où il y a des moines. Monastère. Dans un monastère. Hein. C'était très froid. Ouais, très froid, hein. Rien sur les murs, une peinture jaune pisseux, excusez-moi, jaune pas beau. Rien, hein, il n'y avait rien du tout. Ouais, c'était un peu particulier la chambre. Charlotte continue à tapoter, elle n'est pas perturbée. Non. Alors, il faut qu'on vous raconte une autre anecdote, celle de Pierre. On l'a déjà racontée. Bah, celle-là aussi, on l'avait racontée, mais ils n'étaient pas tous là. Alors, pourquoi il nous avait dit ça? Un jour... Je ne sais plus. Il en sort tellement. Un jour, on était en train de... Je ne sais plus, on travaillait au bureau, tout ça. Puis mon fils arrive, puis il dit... Je suis toute émoustouflée. Bon, mon fils, il y a quand même 30 ans, il y avait 30 ans à l'époque. Hein. Il dit, je suis toute émoustouflée. Charlotte et moi, on le regarde, ahuri. Puis on dit, ça se dit pas, on dit époustouflée. Il dit, non, je suis tout émoustouflée. On dit, ben non, c'est soit je suis toute émoustillée ou époustouflée. Mais lui, c'était émoustouflée. Il avait mélangé les deux. Oui, c'est ça. Enfin, voilà. Du coup, je ne sais plus quel mot est le bon. Hein, il m'a perturbé. Bah, émoustillé ou époustouflé. Lui, c'était Alors, je pose la question, car moi, les pochoirs, c'est quoi ta question? Oh, j'aurais dû relever le lit. Hein. Pourquoi t'as mal au dos? Tu l'as fait trop bas. Hein. C'est vrai? Oh non, c'est vrai. Ah ouais, merde. Il faudra mettre un truc au-dessus. Je mets. Ah ouais, déjà. On écrira un truc. Tu ne vas pas le faire là, le dossier. Bah, quand même. Non, je réfléchis. Et si je mets que la moitié du médaillon, ça va faire drôle. Ah ouais, du fait que mais fait le médaillon. Tout, ça va quand même aller pour la hauteur. Excusez-moi, il faut que j'aille voir. J'ai pas pensé à la hauteur. Bah du coup, là, ça le remonte beaucoup, quoi. Et là, moins. Parce qu'il est plus bas. Voilà, c'est ça. Non, en fait, je l'ai bien posé, hein. C'est ça. Mais c'est vrai, j'ai pris en fait. C'est ça. Oui, c'est bien, c'est bien. J'ai pris en considération le médaillon et le médaillon. Ben normalement, il y a un médaillon autour, enfin il y a un cadre autour du chat et du fait ça le monte beaucoup plus. Et comme on n'allait pas le faire, il fallait penser à remonter un peu plus la tête du chat. Parce que le chat n'est pas centré dans le médaillon. Bon, on va se dépêcher de faire le médaillon.
Il est déjà 17h51. C'est vrai? C'est beau, chat. Oui, c'est beau. Chat. Oui, c'est bien chat. C'est chat qui fait un chat. Isabelle, c'est cette déco vestimentaire? Je comprends pas, Marie-France. Pourquoi juste une couleur? Parce qu'on veut faire un contraste noir sur... Je veux un côté décalé, mais que ça reste quand même sobre. Oups, je crois que je me suis décalée. Oui, il a accéléré, on n'a pas tout le week-end. Qui c'est qui dit ça? Non, si. Ah, je dis un peu, il est trop tard pour ne pas avoir le week-end, là, pour le coup. Il y a Jérôme qui dit ce soir, un bon apéro et vous êtes au repos. Ce soir, on... je récupère ma plus jeune, moi. Ah ouais, en plus, tu récupères ta fille. Hello Bénédicte qui vient d'arriver. Coucou Bénédicte. La petite Charlotte est fatiguée. Ouais, c'est normal. Hein. Parce que je pense que, alors je sais, vous savez qu'on c'est de la préparation, tout ça, mais entre deux, on ne se repose absolument pas. On n'a pas le temps en fait. On a fini tout à l'heure le live, il nous restait 55 minutes avant le prochain. Ah, voilà. Les petits ballons roses, j'ai pas vu le début. Bon, tu m'as perdu là, Marie-France. Oh, le prochain live, c'est 20h? C'est ça! Oh, pétard, j'ai mal. Oh, pardon. Je vais vous hop. Mais j'arrive pas à le redresser. Et je vais dézoomer. Ah, c'est bien. Tu vois, il est assez marqué. Oui. Très bien. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, moi, j'aime bien. Dis donc, est-ce que ça allonge le... Voilà, ah, sur la tête d'Isa, il y a des oreilles, c'est ça. Alors, c'est marrant, ce chat, il est sur le site depuis Perpète. Et j'ai pas l'impression qu'on le vende souvent. Non. Et moi, alors que moi, je l'ai... Alors que vous adorez les papiers de... Les ouais. papiers de et moi, je l'ai tout de suite adoré il y a longtemps. Hein. Ouais. Et on en a aussi de profil comme ça. De profil, ouais. Il est pas mal aussi, l'autre. Ben, dites-moi, est-ce que vous aimez ce côté un peu décalé? Trop sympa. Beau et bien placé, merci. Ouais, sympa, très beau, oui, j'adore, très très ouais. sympa, ouais, c'est bon, magnifique. C'était ça où mon beau-père me proposait de mettre une silhouette de cochon. Vous pensez que c'était mieux quoi, le chat ou le cochon? Monique, elle va me répondre le cochon. Voilà, bon, il va falloir que je nettoie ça aussi. Bon allez, moi, Isabelle va vous faire un peu la causette. Vaut mieux avoir des oreilles que des cornes, je suis d'accord, Patricia. C'est pour ça que j'ai mis des oreilles. Tu leur... vas-y, je donne peut-être des infos. Des et trucs. Il y a aussi un deuxième chat, tout aussi beau, oui. On aurait dû le mettre. Ah, on l'a pas là? Là, on l'avait pas pris. Regarde s'il est là-dessous. Je me demande si on l'avait pas pris au cas où on changeait d'avis. Ça je regarde. Bien. S'il est là, je vous montre. Bon, moi, je nettoie mes clous. Parce que vu que je vais appliquer la cire, il faut que ce soit... Non, on l'a pas. On l'a pas pris. Voilà, parce que ma peinture, je peux nettoyer mes clous à condition que ma peinture ne soit pas protégée. Quand j'aurai mis ma cire. Si je clique sur le lien de Michel, je risque de faire des bêtises. Oui. Je repose ma question, je me permets, hein, et bien si sûr. Tu foires ton pochoir, tu fais quoi? Tu pleures. Voilà. Si alors, la possibilité, comme je vous le dis à chaque fois, c'est vrai que moi maintenant j'ai un peu plus d'assurance, c'est normal, hein, je fais ça très souvent. Vous mettez votre première couche de cire. Vous attendez 72 heures. Que ça sèche, vous faites votre pochoir et vous remettez une couche de cire. Et là, je vous parle pas de la cire tout de suite parce que c'est l'étape d'après. Mais c'est possible. Et au pire, je me dis, c'est pas très marqué. Donc, je le ponce et je remets une couche de orange parce que je serais venue quand même rechercher un peu la fibre derrière. Je le ponce, je mets une couche de orange. Ah, il y a Corinne qui est là, Corinne Comodini, qui pourra éventuellement vous donner son ressenti sur les meubles peints puisqu'elle en a fait deux. Sur les fauteuils peints. Qu'est-ce que j'ai dit? Les meubles. Sur les fauteuils peints, Corinne, si tu veux bien nous donner ton retour, tu en as fait deux. Puis elle en a fait un il y a au moins un an. Non, 2 ans. Il y en a un, il me semble qu'il date de... Ah, tu vois, Patricia, elle dit, j'avais hésité pour les chats la semaine dernière quand elle a passé sa commande.
On peut remettre une couche de cils si on a raté son pochoir ? Alors non, ce que tu fais, c'est une fois que tu as fini de peindre, tu cires. Une fois que tu as ciré, tu attends 72 heures et tu fais ton pochoir. Ce qui fait que la peinture de ton pochoir ne va pas pénétrer la peinture du dessous étant donné qu'il y a la cire. Donc, tu pourras effacer plus facilement ton pochoir. Bon, je suis désolée. Hein, et après, on recire et après, voilà. Ce que je suis en train de faire là, clairement, j'aurais dû le faire avant le live. Hein. Mais j'ai vraiment, vraiment pas le temps. Donc, je m'excuse, je le fais maintenant. Donc, vous voyez la différence quand je nettoie les clous, j'arrive à les récupérer. Je peux peut-être montrer. Hop. Ici, la différence. Voilà, j'ai pas assez dilué, j'ai pas fondu assez. Ça se verra pas. Vous voyez, là, ils sont tous encrassés de peinture et là, je les ai. Alors, la tache rougeâtre, c'est normal, mais n'ayez pas peur, ça va changer après. Hein. Ouais. Là, il n'est pas ciré avant le pochoir. Non, non, là, on n'a rien fait, on a juste mis la peinture. Non. Mais comme je vous dis, même si vous ne cirez pas, vous ratez votre pochoir, il est vraiment. Que en surface et j'ai mis très très peu de peinture. Donc je le ponce et je remets une couche de orange. Donc Corinne dit il faut bien, juste bien respecter les étapes et le séchage. C'est ça. Bien dilué. C'est comme dans n'importe quoi. Hein. Il faut respecter les temps de sèche, les temps. Voilà, les. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, il ne faut pas vouloir le peindre en une seule couche. Bon, derrière, je ne vais pas le faire. C'est pas. Je le ferai plus tard, l'arrière du. Alors, il y a aussi un retour de Patricia. Je vais épingler son, ah oui, son commentaire. Je me souviens de son fauteuil. J'ai fait une bergère il y a 4 ans. Ah fauteuil non, bah très utilisé. Je viens de le jeter et la peinture était nickel. Voilà, donc vous voyez. Hop, j'ai quasi fini. Hein. J'essaye de me dépêcher, mais il ne faut absolument pas que je mette de la cire sur mes clous peints. À l'origine, il était. Je vais te faire voir, je vais le comme remettre. Comme un arrière que je n'ai pas encore fait. Je vais le mettre sur. Vas-y. C'est où ? À l'origine, il était comme ça, le fauteuil. Je peux l'essayer à la place. Ah, Frédéric est de retour. Ah, Frédéric est de retour. Alléluia. Frédéric est de retour. Alléluia. Tu vas attirer les marabouts là, tu sais. Ils vont dire c'est bon, on est tombé sur le bon live. Les miens, 2 ans, pas bougé, Corinne. Voilà, donc vous voyez. Bon, mais c'est bien, j'aime bien avoir des retours comme ça parce que nous, on ne peut pas tout faire. Et à des fois, on n'a pas forcément. On aime bien avoir les retours clients parce que au moins les clients. Ouais, mais les clients, ils disent. Ils sont francs. Ils disent la vérité. Enfin, c'est pas que nous, on ment, hein, c'est pas ça. Mais vous pourriez dire qu'on arrange un petit peu le. Voilà. Tu tombes bien, tu fais le prochain live à 20h, Fred. Bon, le dossier, on verra. Si j'ai le temps de faire les clous. Les clous non, mais j'en ai un qui chante à côté de moi en même temps que toi, Isa. Hop. Non, pas celle-là, j'en ai besoin. Vous allez peindre le bois, demande Sandrine. Non, on pense pas, non, non. On fera peut-être quelque chose avec de la cire de je sais pas encore quelle couleur, non, mais sinon peut-être. Je pensais moi faire ton rénov bois pour. Voilà. Ah, tu crois qu'on. Ils ont ouais, pour le. Ouais, quand même, pour le. Pour donner un coup de beau. Et Patricia précise que les chats ont profité de la bergère, donc elle avait peint deux pendant 4 ans. Tu cadres bien, s'il te plaît, parce que là, on n'est pas bon. Tu fais quoi ? Ben, on y est bon. Arles d'Anis, j'aime tout à fait, c'est la couleur et un petit peu de primer red mélangé dans le jus de Arles. Donc, maintenant, je vais appliquer la cire Anis, la cire incolore. J'utilise mon gros pinceau à cire Anis. L'idée de la cire, c'est qu'elle va vraiment protéger votre peinture. Excusez-moi, et donner justement l'aspect un peu cuir. Donc, je ne sais pas si tu avais parlé du fait que tu avais protégé ou tout. Non, oui, si, que j'ai protégé après les clous pour bien teindre le tissu jusqu'à entre les clous, etc. Voilà. Bon, il aurait fallu que je passe un petit peu plus de temps à bien nettoyer les clous, mais ça ira.
Le prochain live, c'est Fred en solo. Allez, Fred, reviens. Donc, je prends de la cire. À quand les nuits live? Mais vous êtes malade. On comme peut les faire, nuits de lecture, là. On va faire, au lieu de faire les 24 heures du Mans, on va faire les 24 heures de live. T'es sotte. Bah, chacun son tour. C'est ça, on dort sur la table, tout ça. Allez, donc je vais appliquer la cire sur le tissu peint. Alors, si on est des lapins, on peut mettre... Tu mets pas du... On peut mettre un pochoir lapin. Alors là, vous faites ce que vous voulez, hein, ouais. Nelly, hein. Des écritures, des trucs. Alors oui, on peut s'asseoir dessus. Non, ah, oui. Ça ne tâche pas. Il faudra bien lustrer la cire, surtout si vous mettez de la cire noire ou brune, pour que effectivement, il n'y ait pas de transfert. Fred, les oreilles. Avec la cire, ça va faire des paquets, pas du tout. La cire va pénétrer la peinture, lui donner sa résistance, son imperméabilité et donner en plus un peu de souplesse au tissu. Oui, 24 heures de live. Ouais, vous ne seriez même pas capable de nous suivre pendant 24 heures. Vous feriez chacun votre tour. Non, on ne pourrait pas. Allez. Hop. Je prends le créneau 2h-4h. Bon, si. Donc, je fais aussi des mouvements circulaires. Hein, Monique, elle crie au secours. Il faudra me doper pour tenir 24 heures. Donc, je fais aussi des mouvements circulaires pour bien rentrer partout, vu que le tissu est légèrement texturé. Alors, quand on s'assoit, on se relève le cul jaune. Non, du tout. Non. Du tout. On ne vous dirait pas de le faire, sinon. Par contre, ça va demander une sacrée organisation pour le ravitaillement des 24 heures de live. Ouais. Oula, tu ne nous connais pas, Iso. Oui, c'est ça. 24 heures, on suit les doigts dans le nez. Eh, ils sont prêts, hein. Ça va vous coûter cher en mojito. C'est clair. Eh bien, tu vois, Patricia, elle dit, moi, je vis à la campagne et je trouve qu'une vache ou un cochon, ça le ferait. Ouais, mais après... Je dis pas que ça n'a pas été beau, hein, c'est pas ça que je dis. C'est juste que c'est pas l'idée que j'avais du fauteuil. Ça fait très 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 longtemps que j'ai envie de faire cette technique. Alors Sylvie, t'as pas bien regardé. Il n'y a pas une couche de peinture. Là, c'est un fauteuil qu'on a inversé nos fauteuils. Au début, on travaillait sur une chaise. Et nous, on avait déjà préparé un fauteuil sur lequel ici, il y a eu une couche en French linen et deux couches de Arles. Et un petit peu à certains endroits, de mélange Arles Primer Red. Pour faire des nuances un petit peu rougeâtres, on le voit ici. Et on voit que la cire, déjà, commence à donner un bel aspect au tissu. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est la peinture quand j'ai fait mon primer red. J'aurais pu le faire volontairement plus épais pour que cette couche-là, au fur et à mesure du temps, craquelle et laisse ressortir vraiment la couleur orange en dessous. Vous savez, quand on a vraiment un vieux cuir, oui. Parfois ça craquelle et ça laisse... entreparaître la peau et donc la couleur un peu orangée. Parce que quand c'est des cuirs qui ne sont pas... tu vois, mon faux cuir, Nancy, elle, moi, il y a des cuirs qui sont teints en surface et il y en a d'autres qui sont teints en plein. Je ne sais pas comment le dire. Je ne trouve plus mes mots. Excusez-moi. Et donc, ça aurait pu être une idée donc de volontairement travailler un peu plus épais pour que justement le tissu en surface se craquelle et laisse ressortir la couleur orange qui aurait pénétré la fibre. Bon, il y a Christine qui en a peint pour mettre dans ses chambres d'hôtes et ça se passe bien aussi. Hein. Ouais, et pourtant, dans les chambres d'hôtes, c'est quand même... Ils sont impeccables, c'est très utilisé. On peut faire un blending sur le tissu, on peut faire ce que l'on veut hein, au niveau de l'application des couleurs. Hein, voilà, je ne l'ai pas fait en blending parce que ce n'était pas l'idée, je voulais juste nuancer à certains endroits. Mais ici, j'aurais pu flouter plus la démarcation et effectivement faire un blending. Ça me fait rire parce qu'il y a Justine qui dit « Je ne suis pas très fan du jaune, mais avec la cire, ça donne un bon aspect. » Mais ce n'est pas fini. Hein. Vous en avez encore pour 3 heures. Là. Il y a encore 3 heures de live. Les 24 heures, c'est maintenant. Un cuir plein de fleurs. Alors, le cuir plein de fleurs, ce n'est pas ça. C'est la qualité du cuir, ça, Michel. Mais les cuirs sont teintés. Tu te doutes bien que tu n'as pas des vaches roses. Ah bon. À part la vache Milka. À part la vache Milka.
Donc, il y a des cuirs qui ont la même couleur dessus-dessous, et il y a des cuirs qui ont une couleur différente dessus que le dessous. Voilà, donc là, je repasse bien pour être sûre d'en avoir mis bien partout. Alors, le risque de tache, c'est si vous n'avez pas bien lustré votre cire après, à la fin. Bon, l'arrière, je m'en occuperai plus tard parce qu'il faudrait que j'y aille avec un petit pinceau pochoir pour appliquer la cire là. Non, on va pas tout faire. Mais voilà. Les 24 heures, c'est parti, dit Wilfried. Let's go. Alors, peu importe le tissu du fauteuil, le vôtre est épais. Alors, le nôtre est épais, je dirais que vous pouvez travailler sur un satin, vous pouvez travailler sur un coton, sur un lin. Ce qui sera plus compliqué, c'est si vous travaillez sur du velours, surtout un velours à poils longs. Ben non, on l'avait fait à Oxford au pistolet. Au pistolet aussi. Si vous êtes sur un velours, à mon sens, il faudra travailler très, 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 très dilué. C'est ça. Donc là, j'enlève juste le surplus de cire. Et maintenant, on va venir appliquer la cire brune. À force de vous écouter, je vais finir par avoir votre accent du Nord. Mais enfin, Amélie, ça veut dire quoi, ça? C'est très beau, l'accent du Nord. C'est bien, l'accent du Nord. Je crois que... Bon, déjà, je vois, moi, sur le retour, que ça change déjà beaucoup l'aspect. Hein. Ah ouais, ah ouais. La cire, ça change tout, hein. Pas encore au niveau de la couleur, ça donne pas l'effet que je veux du cuir, de l'effet cuir. Mais par contre, ouais, au niveau de la du rendu, de la texture, quoi, du rendu. Excusez-nous, panne de batterie. Enlève celle-ci, s'il te plaît. Alors, j'enlève ça. On a dû changer de caméra, désolé. C'est compliqué, hein. Attendez. Donc, les 24 heures du Mans, on oublie. Là, je vais l'éteindre si je fais ça. Et si... Voilà, excusez-nous, vraiment désolé, mais plusieurs lives sur la journée, on a beau recharger les caméras entre deux. Oh, attends, j'essaye de le mettre de niveau. Ça reste très compliqué. Voilà. Si il faut faire des zooms, j'approche. Voilà. Mais ouais, la caméra tout à l'heure a coupé juste après le live, plus de batterie, et une heure pour recharger complètement. C'est bien évidemment pas assez. On aurait dû penser à acheter une deuxième batterie. On n'y a pas pensé. On y pense. On saura pour les prochains live en plus. Pour ces 24 heures, on achètera 24 batteries. C'est ça. Mais tu vas devoir couper quand même Donc deux caméras. Voilà, puis on change. Bon, maintenant je vais appliquer la cire. J'ai plus de soupe à l'aise. Petite question sur la couleur du mur du fond. Oh, c'est de la peinture Dixibel. Oui. C'est Aubusson à Nisland dans les wall paint, donc dans les peintures murales. Elles sont monocouches, mates et lessivables. Donc, je prends un peu de cire. J'y vais. Ouais. Quand c'est le Morito, l'appareil ne boit pas, non. Tu dis caméra, mais c'est pareil, hein, après, même quand on met... Enfin, voilà, il faut de la batterie surtout. Hein. Alors, tu vois, ce que je vais aimer et ce que je pensais que ce qui allait me déplaire... Et si je me mettais là? Ah, tu peux, oui. Attends, je prends. On va essayer de faire une autre prise de vue. Hop. Là, juste à côté, là. Tiens. Et tu retires ça, là. Je vais essayer de vous placer autrement.
C'est bien là? Je voudrais juste le lever un poil. Si le pencher plus en arrière. Comme ça? Ouais, c'est mieux. Tiens, t'as passé. Je cherche après. voilà, quand j'ai vu que le tissu était texturé. Alors, il y a Wifi qui me demande une question technique sur les caméras. Vous ne pouvez pas les brancher plutôt que des batteries. Alors, si, mais là, ça fait deux fois qu'on essaye. Et deux fois que Comme si notre câble avait un mauvais contact et ça déconnecte la batterie. Et donc, ça coupe. Et une fois que moi, ça a coupé la batterie, le logiciel ne la reconnaît plus. Donc, après, je suis embêtée. Je vais peut-être prendre même un peu de noir. Je n'avais pas prévu de mettre de la noire. J'ai un pied dans le vide. Vous n'avez pas de prise dans la pièce ici? Des prises, on en a. Il y a un problème de connexion entre la prise et la caméra. Et alors, on va renvoyer le câble parce qu'on se demande s'il n'y a pas un problème de connectique, on va dire. Et ça, il y a quand même un mauvais contact qui se fait quelquefois quand on a bougé la caméra le premier jour, le vendredi. Et donc, la caméra est déconnectée et il lui faut au moins une demi-heure avant qu'elle ne se reconnecte. Donc voilà. Donc, tu vois, j'avais peur que le tissu texturé, c'est ce que j'étais en train de dire, me dérange. Ouais. Parce que forcément, la cire met en avant la texture, enfin, la trame du dessin. Ouais. Et ça fait, comme tu me disais, tu sais, un peu les cuirs, un cuir frappé, là, c'est ça qu'on dit? Oui, cuir frappé. Et en fait, du coup, je trouve ça pas trop mal. Alors, j'aurais peut-être préféré quand même un tissu plus lisse. Ben, une GoPro, ça ne changerait pas le problème, Fabienne. Il y a toujours un problème de batterie et un problème de, voilà, d'alimentation. On s'était renseigné aussi pour la GoPro. Ouais. Après, je vais être franche avec vous, hein, une question de budget aussi. Hein. Ouais, on peut acheter aussi une caméra à 3000. Hein. C'est ça. On va faire. Il nous faudrait beaucoup d'étoiles. Ah, donc là, je vais mettre de la cire partout. S'il y a des endroits où après, je veux que ce soit moins foncé. Par exemple, sur les accoudoirs, je le ferai, par exemple. Je foncerai beaucoup ici au bord, ici derrière, mais ici, je foncerai moins pour vraiment faire comme si c'était un peu plus usé. Et auquel cas, il suffit que j'enlève après la cire brune, que je l'estompe en remettant un peu de cire incolore. Vous voyez, là, ça commence à changer au niveau de l'aspect. Alors, c'est mieux si vous avez, comme le disait Charlotte, un tissu lisse. Hein. Mais là, ça a l'air d'être pas mal quand même. Ouais, bah, moi, ça me plaît bien. Oups. Bon, j'ai changé l'équilibre du pot. Je prends un petit pinceau pochoir là, pour venir derrière. Vous voulez que je vienne vous faire voir de près? Je vais essayer de vous faire voir de près. Alors, bien sûr, ce n'est pas fini, ce n'est pas lustré, ce n'est pas bien appliqué, mais alors, la cire, c'est physique hein, quand même, à l'application de la cire. Ouais. Pour connaître que… Vous faites avec deux, comme ça. Et c'est bon pour les seins. C'est bon pour les seins. Ou les pecs. Donc là, je n'ai pas du tout le retour hein, de ce qui est dit, mais. Tu veux que je me mette là autour du fond comme ça? Ouais, comme une GoPro qui voit exactement ce que je vois. Alors pourquoi j'ai mis de la cire incolore en dessous? Ben, tu réponds. Ouais, je réfléchis si je fais le test ou pas. D'en mettre là directement pour montrer la différence. Ah. Ça froncera un peu plus, c'est pas grave. Si j'applique la cire brune directement, après, ça aurait peut-être pu être sympa. Hein. Ça va vraiment... Vous voyez, je ne peux plus du tout... L'estomper. Alors qu'ici, tu peux descendre plus bas, s'il te plaît. Ici... Si je veux, je fais ça. Là, c'est pas encore assez. Je reprends ma cire clear. Ah,
Comme sur un meuble, si vous mettez de la cire incolore en premier, elle va saturer votre support et vous allez pouvoir atténuer. Oui, atténuer. On voit bien la différence. Voilà. Alors qu'ici… Que là… Attendez, je vais prendre de la cire clear sur mon chiffon. Attends, je vais éteindre la lumière là, si tu veux. Là, on a mis de la cire brune sur le côté, sur le bout, de la cire clear. De la cire clear sur mon chiffon. Ça ne va pas estomper la cire brune à imprégner la peinture. C'est ça. Tu peux retourner un peu là-bas, mais non, tu vas avoir mal au bras le temps que je continue. Et puis après, allez, je vous repose. Tiens, Charles, tu me diras ou dis là-bas si ça va ou je te le dis. Oh. Voilà. Donc là, on travaille avec la cire brown, effectivement, Patricia. Ah, donc, je vais répéter. Quand vous faites un meuble avec une peinture à la craie, avec les peintures anisole, même les peintures d'Ixibel, si vous voulez faire une patine avec une cire à base de térébenthine, une cire à base de térébenthine, donc c'est-à-dire les cires en général, sauf la cire baisse dans le wax, qui est une cire à l'eau, il faut toujours, on va dire à 98% du temps, mettre une cire incolore avant. Si vous voulez faire une protection, enfin, si vous voulez faire une patine, c'est-à-dire que la cire incolore va pénétrer la peinture, lui donner sa résistance et son imperméabilité, c'est-à-dire qu'elle va saturer votre peinture. Une fois que vous mettez de la cire brune ou une cire de couleur au-dessus, la cire de couleur ne pourra plus pénétrer la peinture étant donné que ça a été imperméabilisé par la cire incolore. Et si vous avez mis trop de cire colorée, vous reprenez de la cire incolore et vous frottez et donc vous allez enlever la cire colorée puisque les cires qui ont de la térébenthine, on les enlève avec de la térébenthine. Avec l'essence de térébenthine. Et comme dans la cire incolore, il y a de la térébenthine, vous allez pouvoir modifier ce que vous avez fait. Donc n'oubliez pas de venir bien mettre de la cire foncée entre vos clous. Hein. Entre les clous, il y a du tissu. Après, si c'est un fauteuil avec un galon, ben, vous aurez peint le galon. Alors, et après, tout de suite, je viens enlever sur les clous les résidus de cire. Moi, comme une andouille, je vais parler en dessous de la caméra. Je parlais là. Alors, sur tissu, cela donne toujours un aspect cuir. Oui, parce que c'est la cire. La cire. Ça va vous donner un aspect d'illustré. Voilà, c'est Bran. Je vérifie que j'ai de la cire partout où je mets de la cire brune. Alors, sauf si, oui, alors là, on est sur une toute autre technique. Fabienne, elle dit, sauf si on fait un craquelé. Quand on fait un craquelé avec les vernis craqueleurs, on met de la cire brune qui ne va pas pénétrer le vernis, vu que le vernis est un imperméabilisant. Le craquelé, en fait, imperméabilise la peinture. Voilà, la cire brune va aller dans les craquelures. Donc, il ne faut surtout pas mettre de cire incolore avant, sinon vous allez combler la craquelure avec… Mais là, je vais vous embrouiller. Donc, même effet sur un abat-jour. Oui, bien sûr. Ouais, surtout. Hein. Donc, vous le sentez au toucher s'il y a de la cire incolore. J'aurais jamais dû finir par celle-là. C'est trop physique. J'aime pas trop la prise de vue. Non. On voit ton ruche. Bah écoutez, un vu cul n'est pas perdu. Un cul manié est en danger. Quelqu'un qui prend un coup pense que c'est du cuir. Je suis assez d'accord. C'est vrai. Quelqu'un qui prendrait un coup, il se rend pas compte que c'est. Ah bah c'est cool. Tant mieux. J'ai réussi alors. Non, c'est quelqu'un qui dit que c'est quelqu'un. Oui, j'ai compris. Mais ça veut dire que la personne dit qu'on dirait vraiment un cuir. Très, très beau rendu, super idée, c'est vraiment beau. Alors, c'est physique, oui, hein, la cire, c'est physique. Hein. Bon, on ne fait pas ça si on a une tendinite, quoi.
Non. Attendez, moi, il faut que je prenne un peu de... Oh, ouais, de loin, c'est... Parce que moi, j'ai mon nez dessus, hein. Chouette. Ah, oh, ouais. Je suis trop contente. Parce qu'elle avait la trouille, hein, avant de commencer. Elle l'a jamais fait, donc... Ah ouais, je suis trop, trop contente. Moi, j'ai mon nez dessus depuis tout à l'heure. Je me rends pas compte. Et en prenant du recul... Ben, de toute façon, on voit... Avant, après. Non, on le voit, les gars. Dessus. Je vais avoir envie quand même de faire au niveau du chat. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire vraiment que ici. Je vais pas aller trop près des clous parce que je vais pas les nettoyer en live, on n'a pas le temps. Mais on va quand même travailler au niveau du chat. Vous voyez ce que ça donne avec le pochoir. Ici, j'ose pas aller trop loin. Je sais plus où je me suis arrêtée avec la cire incolore. Ah, là, je peux y aller. Bon, apparemment, ça plaît beaucoup. C'est physique pour Isabelle surtout, non? Ouais, alors moi, j'ai du mal. Hein. J'ai ma langue qui fatigue. Mais vous, non, mais je ne veux pas la prendre en pitié. Je ne suis pas comme ça. Au contraire, je serais du genre à la booster. Mais je pense que c'est autant fatigant d'être devant la caméra, d'expliquer, de faire et de suivre sur le logiciel. Il faut suivre les commentaires pour que tu suives aussi quand tu mets les photos, les vidéos. Je vais mettre une bannière, tiens. Allez. Puis elle parle beaucoup aussi, hein. Mine de rien, il faut réfléchir après tant de bêtises. Ouais, alors là, c'est dur. Hein. Là, ça devient difficile. Je prends le résultat. Alors, je vais essayer. Tu vas pouvoir venir filmer de près. Où est-ce que j'en ai que j'ai C'est vrai qu'à l'origine, on devait avoir la formation avec Jonathan. C'était pour Wax l'année dernière. Et puis, il n'a pas pu... On devait aller faire une formation. Vous allez tout savoir. On devait partir faire une formation à Paris avec Jonathan Marc Mendes. Et puis, le Covid s'est déclaré en Angleterre et il y avait sa maman qui était fragile. Donc, ça a été annulé. On a fait la tête. Ouais, finalement, bon, il n'avait pas tort. Mais voilà. Ben, Marc, on n'a plus besoin de toi. Jonathan. tu vas pouvoir venir filmer ici de près. Je vais expliquer pour les clous l'important de vraiment bien... Alors, après, j'ai Catherine qui dit « Je me lancerai bien, mais avec mon bras, ça va être compliqué. » Tu le fais en plusieurs fois, Catherine. Oui. Après, là, c'est parce que je dois aller vite pour le live. Hein. Donc, forcément, j'appuie vraiment fort ici. Donc, vous voyez... Oh ouais, ça rend vraiment bien. J'ai encore de la peinture entre mes clous, mais c'est pas bien grave. Finalement, moi, je trouve que le tissu, ouais. Le tissu texturé, c'est très bien. Vous voyez, le tissu, il était comme ça. Vous voyez, on voit un petit peu la texture. Et elle ressort. Et finalement, ça ressort ici. Et c'est bien parce qu'on n'arrive pas à comprendre le dessin. Donc, vous voyez, entre les creux ici, tu peux vraiment essayer de te rapprocher pour bien montrer. On le voit surtout là. Hop. Vous voyez, il n'y a pas de cire entre les clous. Donc, il faut aller en mettre. Donc là, je m'en fiche qu'il n'y ait pas de cire incolore parce que je ne vais pas chercher à atténuer. L'idée, c'est de faire ce noir justement dans le fond. Donc, vous voyez, j'y vais bien avec mon pinceau partout. Donc là, je prends le pinceau pochoir. Encore, pourquoi? Parce qu'il est plus raide, vu que les poils sont plus courts, etc. Donc, vous n'hésitez pas à en mettre bien dans les clous. Là, il manque un peu. Et après, on va frotter les clous et on va retrouver le brillant du clou. C'est ça l'idée? Et ils vont tout bien ressortir, puisqu'il y aura de la cire noire dans le fond, et c'est ce que je voyais tout à l'heure de la caméra devant. Et maintenant, donc, je prends ma microfibre. Elle n'est pas humide, rien du tout. Hein. Puis après, je vais vous enlever les scotch quand même. Bon, il y a des endroits où, comme là, vous voyez, je viendrai avec mon petit ongle retravailler un peu pour enlever vraiment la peinture qui est en trop. L'année prochaine, on achète des caméras sur rail. On va se croire au cinéma. C'est ça. Bon, écoutez, là, c'est fait, donc on. Ouais, allez, on va le faire là. Ouh, je vais me retourner un ongle. J'en ai mis du scotch. Hein. Pas pris de risque. Et en dessous, tu peux retravailler avec de la cire incolore. Ça dépoussiérera entre tes clous. Ça donnera du bon au bois, même avec du noir. Hein. De toute façon, c'est pas grave, Charlotte. Non, mais là, je vais juste un petit peu. Il y a un peu de peinture dans les. On est allé les chercher, je ne sais plus quand. Jeudi, ces fauteuils. Ouais, on ne devait pas travailler sur ce fauteuil-là à la base. On devait travailler juste sur des galettes de chaise. Ça m'embêtait de faire ça sur une galette de chaise parce qu'encore une fois, j'avais l'image, moi, dans la tête d'un fauteuil, un vieux fauteuil effet cuir. Et une galette de chaise, ce n'est pas forcément ce que je voulais.
Vous voyez. J'adore. Tu peux le dire tout haut. Hein. J'adore. Regardez danser les gens. C'est beau, hein. C'est chouette. Je vais aller retourner voir les commentaires, maman. Tiens, une minute. Hop. C'est peut-être pas plus mal, en fait, que la caméra est lâchée, parce que du coup, on vous fait vraiment des plans très, très gros en se baladant avec la petite. Je vais quand même vérifier la... Excusez-moi. La batterie de celle-là. Ouais, ça va. Oups. Bien, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, purée, vous allez trop vite, j'arrive pas. C'est pas ça que je voulais mettre. Elle est où? Non. Elle a la frette d'Amino depuis qu'il y a eu des dépôts. Oh, merci Fabienne. C'est rigolo. Je vous assure, moi, quand je regarde les... Oh, j'avais encore beaucoup de tir. Je regarde des replays, mais il y a des fois, vous me faites mourir de rire. Et il y a tellement de commentaires que je suis obligée de mettre pause pendant le replay pour remonter, pour lire. Hop, je suis à jour, je remets play, ça fait ça aussi. Il y a Fred qui met « J'admire Charlotte, à chaque live, elle balise de peur de ne pas réussir. » Et voilà le résultat. Super. Voilà, c'est gentil. On ne fait pas pleurer maintenant. Ah ouais, c'est gentil. Ouais, tu sais à quel point celui-là... Et une chansonnette. Tu sais à quel point celui-là, il me stressait. Alors, il me stressait pour deux choses. Peindre du tissu, je sais le faire. Ça, j'avais aucun doute sur la technique de la peinture sur tissu. Moi, ce qui me stressait un peu, c'est vraiment donner cet aspect de l'effet cuir. Ça, et puis je m'étais tellement fait dans ma tête l'image de mon fauteuil effet cuir que je veux depuis déjà très longtemps, dans ce style-là. C'est la fille parfaite, n'exagère pas, Nancy. Nancy, si. Elle m'a... T'as pas de fille, Nancy, je sais que t'aurais aimé m'avoir comme fille, elle me l'a déjà dit une fois. C'est la fille de sa mère. C'est ça. Donc ma mère, c'est Monique. Parce que vous m'avez bien fait rire avec ça aussi quand je regardais le replay hier. Donc, vous voyez ici, là, vu que c'est très Oh là là, je ne sais pas qui tu parles, Fred, mais... Vous voyez ici où c'est très en relief, c'est là où vos jambes vont frotter. Vos jambes vont plus frotter ici que frotter là. Donc, moi, ici, j'ai décidé de légèrement... Alors, attendez. Je vais juste refoncer ici. Voilà. Sur l'arête, on va dire, je vais légèrement atténuer la cire brune. Je te coupe, excuse-moi. Renard Argenté était là tout à l'heure? Non, je crois pas. Renard Argenté est avec nous, là? Tu étais là au live tout à l'heure, Renard Argenté? Bah oui, au live, oui. Renard Argenté, petite question, étais-tu au tirage au sort tout à l'heure? J'attends la réponse. Donc, vous voyez, je vais atténuer. Fred fait une déclaration d'amour en direct. Oula. Ben, tu sais que tu as gagné, Renard Argenté. Je suis en train de te dire, c'est pas vrai. Je rectifie, je vous aime toutes les deux. T'as intérêt. Donc, vous voyez, je sais pas si ça. Tu vas éclaircir pour faire un effet usé? Oui, comme là, c'est ce que j'essaye de faire sur l'arête. J'essaye de le faire ici parce que c'est là où on use. Plus rapidement, comme je vous disais, sur les manchettes, je le ferai aussi beaucoup. Ah, ici, c'est pas là au tirage au sort. Eh ben, t'as gagné. T'as gagné. T'as gagné, ma moulette. Ça y est. Va voir le live en replay. Bah, pas maintenant, on reste d'abord sur celui-ci. Alors là, maintenant, ils sont en train de se battre, Monique et Nancy, pour toi. Je l'ai connue avant Monique, avec tout le respect que je dois. On va devoir se bagarrer la garde, je crois. Allez, je fais juste un petit peu là et après on attaque le dossier rapidement. Les mirages n'existent, Renard. Oui, oui. Comme quoi, il faut persévérer, pas lâcher l'affaire. Donc, on ne te dit pas ce que tu as gagné. Je t'invite à regarder le replay, tu auras la surprise. On va essayer de faire comprendre, mais il n'y a pas eu de réaction. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Renard Argenté pour chouette dorée, tu me reçois? Ici, vieille colombe. Ici, colombe noire. Voilà, hop. Bon, ben, mon homme n'en peut plus des lives. Ben, je comprends. L'homme de qui? De Karine.
Je te comprends, enfin, je le comprends. Hein. J'en peux plus des mérites non plus. Allez, on attaque là, on voit ici. Yes, ben, tout juste. Je ne vais pas faire le contour, comme je vous ai dit, parce que je n'ai pas encore nettoyé mes clous et je ne pourrais pas enlever la peinture. Je vais essayer de redresser un peu. Alors, comment je fais? Il faut que je baisse derrière. On va surtout faire au niveau du... Pourquoi tu es calé comme ça? Du chat. Et si tu as posé ta table ici et qu'on posait la caméra? Là. C'est une bonne idée. C'est l'un des... Attendez, opération technique. Le temps que je vois. C'est quoi ça? Celui-là, le sable là? Celui-là, oui. Là, le blanc, oui. Tout le reste, tu peux enlever. Attends, fais ça, tu vas la battre. Voilà, le temps que je cire à l'incolant, Isabelle va essayer de se rapprocher pour vous faire un meilleur angle de vue. Je peux le débrancher. Mais vous verriez le bazar que c'est derrière avec tous nos câbles. Ça, je vais faire tomber ça. Donc, je ne vais pas trop près des clous. Hein. Je me répète, je sais, mais ça me permet aussi de moi pas oublier qu'il ne faut pas que j'aille au niveau des clous. Pourquoi il y a un truc là? Il y a un truc qui passe tout, ça sert à rien. Hop, alors attendez, je vais vous déplacer. Hop là. Je pense que la prise de vue sera peut-être mieux. Ah oui, je pense aussi. Si je veux vous pencher, il faut que j'appuie. Attendez. Je vais légèrement vous descendre et vous remonter là. Voilà. Est-ce que c'est mieux pour vous? Oui. Donc voilà, là j'ai mis la cire incolore d'Anislam. Je vais enlever le casque de mon mari, il ne faut pas qu'il oublie son accent d'origine. Donc vous voyez le petit chat quand même, j'ai quasi pas mis de peinture. Hein. Un pochoir, vraiment, je vous conseille, quand vous l'appliquez, vous mettez très peu de peinture, vous soulevez. Bon là, il est transparent, donc on se rend compte, mais en général, ils ne sont pas transparents. Vous le soulevez, comme ça, vous voyez comment ça a marqué et si vous en voulez plus ou moins. Parce que parfois, on a l'impression qu'on n'a rien mis et en fait, non, c'est déjà très marqué. C'est impeccable. La prise de vue. Super. On n'est pas mariés, finalement. On ne se mariera jamais. Je lui ai commandé une carte cadeau avant les lives, sinon c'était mort. C'est qui dit ça? Karine. Allez, on attaque la cire brune. Donc, on n'a pas peur, vous voyez. J'y vais. Je vous avoue qu'au début, quand j'ai testé tout à l'heure sur le bord, j'ai d'abord mis un tout petit peu de cire pour voir comment ça réagissait. J'aime bien parce qu'il va être encore plus discret, ça va faire encore plus comme je veux. Donc, vous voyez, ça, on va le voir ici, là, il n'y a quasi pas de cire brune. Ça intensifie quand même en plus le noir. Regardez, là, ça s'est fort vu. On va le voir ici. Attendez, est-ce que j'ai de la cire cuir? Je vais en remettre au cas où. Mon mari chante. Il met les coups plein le dos. Il est trop nul. Et moi, j'adore. Donc, vous voyez le trait ici. Il est marqué, mais pas trop. Vous allez voir quand je vais passer la cire brune. Vous voyez que ça l'intensifie. Ça l'estompe, mais en même temps, c'est contradictoire, c'est bizarre. Bah, le noir ressort plus noir, mais en même temps, je fonce le fond. Donc, ça c'est ça. Mais le noir ressort quand même plus noir. Donc, toujours des cercles. Oh, Nelly, c'est sa fille qui lui a pas mangé tout le week-end pour qu'elle suive les lives. C'est sérieux, cool, hein. C'est adorable. Moi, elle a rien dit du tout, pourtant, je les ai tous faits. Il y en a, vous leur fichez la paix, ils sont contents. Karine, elle dit, il est en train, le sien, de faire à manger, il a abandonné l'espoir que je m'y mette. Oh, c'est trop... Franchement, c'est cool. Et Monique, moi, j'avais préparé un plat réchauffé, ainsi, pas de grognement d'ours affamé. Bah là, tu serais plus à l'aise si tu mets ta plat. Ah bah oui, là, je suis pas du tout en position. Mais bon, si on veut que vous voyez... Il faut aussi que nous, on s'adapte à vous. Ce n'est pas à vous à vous adapter non plus.
quand on fait un live. Vous n'allez pas tourner la tête comme ça à chaque fois, on essaye de faire ça bien. Le mien m'a dit que j'étais chiante et qu'il préférait quand j'étais devant mes lives. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. C'est ça, il faut les embêter quand vous n'êtes pas en live, comme ça ils apprécient quand vous l'êtes. Quand vous l'êtes. Bon, là je monte pas trop, j'ai plus de cire là-haut. Hein. Moi je suis journée fruit, ça veut dire quoi ça? Ah, tu fais régime et c'est ta journée fruit peut-être, donc t'as pas besoin de faire à manger, ça doit être ça, Corinne. Ah, peut-être. Bon, moi je. Convaincue. Vas-y, tu peux reculer un petit peu, je vais enlever le scotch maintenant. Faut que je recule? Bah, enfin, je sais pas, je vais souvent passer devant. Je sais pas, on est quoi au niveau de la. Ah ouais, non, c'est bon. Excusez-nous, ça tremblote. C'est bon, tu peux rester comme ça, c'est bon. Je pensais qu'on était plus. Maintenant, les lives vont devenir les alibis numéro 1. Hop. Alex, ouais. Je suis d'accord, vous devez vous adapter à nous, donc encore plus de cadeaux. Oh non, alors, c'est non, Alex, tu veux nous mettre à la cour. Sous la porte. Alex, on ne connaît pas depuis longtemps, mais je pense que c'était mieux avant. Voilà, hop. Vous voyez déjà là, le fait d'enlever les scotch, ça tronque moins l'œil. Charlotte, j'aurais encore foncé le dossier. Oui, c'était juste. Ah oui, non, c'est juste pour vous montrer, c'est moins foncé que. Voilà, on va. Mais j'ai pas fait le contour déjà. Le contour sera plus foncé que le centre, donc ça se verra. Pourquoi c'est pas net? On peut pas. De quoi c'est pas net? Mais je trouve que c'est pas net. Je pourrais pas faire. Ah. Je pourrais pas mieux faire. Javela, c'est de retour. Ah. Alléluia. Allez, va. Bon, voilà. Je file à la concurrence. Bah écoute, Alex, comme tu veux, hein. Tu nous diras. C'est ça. Mais à bientôt. Sans prétention aucune. Allez, hop. Tu vas voir Nancy, tu vas voir, elle est bien. Ouais, on a une bonne collègue, Nancy. Bon, j'avais. Oh là, c'est quoi ça? Ah, j'ai mis de la peinture sur mon bois. La vilaine. Bah, c'est pas ciré, donc c'est pas grave, je vais l'enlever. Alors, vous voyez, j'ai voulu être radin quand j'ai camouflé mon fauteuil. Et j'ai pas mis le scotch rose parce que je savais que j'allais en mettre partout. Et voilà, le scotch rose, je le garde pour les meubles. Mais j'aurais dû quand même parce que celui-ci, il s'arrache. Ah non, là, faut pas que j'enlève, j'ai pas fait. Celui-ci, il s'arrache, c'est un peu pénible. Hop. Voilà, là, derrière, je laisse. Il n'y a pas de cadeau à la concurrence, Alex. Si, chez Nancy, on a. Si, elle en a mis. La preuve, elle en a même fait alors que vous étiez chez nous. Alors, c'est passionnant, la concurrence, Wilfried. Si tu le dis. Il est à gagner, le fauteuil? Non. Vous avez le droit de venir chez moi et poser vos fesses dedans quand vous voulez. Il n'y a plus de questions bonus? Ah, si vous êtes gentil, j'en ferai bien une. J'ai pas encore la question, faut que j'y pense. Si on a plein de cœurs, si tout ça, tout ça. Et je les vois les cœurs là, j'ai le replay, enfin, j'ai le retour. Oh purée, il y a eu plein de commentaires. En une nouvelle secte a fait péter les réseaux internet. Ouais, ben. Le départ d'Alex en direct, il va même pas recevoir tous ses restes de produits cadeaux. Ce serait dommage que tu puisses pas recevoir tes paillettes avec ça. C'est dommage. Et puis tes chips. Tes chips. Wilfried, j'avais compris. Merci. Maître Capello. C'est surtout pour les frais de port. Bah ouais. Hop, voilà. Là, il m'en manque juste un peu de la cire brune. Mais non, si c'est la famille, c'est pas la concurrence, c'est presque ça. Ah, on est d'accord. C'est vrai. Si on n'a pas passé le nombre de commentaires avec ça. Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un tirage au sort, comme d'habitude. Quoi? Ouais. Ah ah. Donc, allez, on va vous faire.
C'est bon, tu peux rappeler. Question bonus, allez, elle était prévue. Bah oui. Elle était prévue. Je pensais que tu savais qu'il y en avait celle-là. Trois aujourd'hui. Ah, elle était prévue. Vous voyez, je voulais en plus vous faire un cadeau bonus en plus. Bah, finalement, non. Puisque c'était pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'était un bonus prévu. Enfin bref, allez. À vos claviers. Alors, pour gagner. Ah, on gagne quoi ? Ça. Ah, pour gagner un tablier. Un tablier bagrine. Oui. Un tablier bagrine plus une bagrine. Donc, attendez, je me mets sur les commentaires. La question pour ce cadeau. Et la question, toujours pareil, le plus rapide, le premier qui s'affiche, moi, dans mon ordre, sur le PC, bien évidemment. C'est la dernière question bonus, donc je ne vais pas vous refaire l'article. La question est, et attention aux mots que j'utilise, dans quelle région de France sont fabriquées les bagrines ? Là, je pense que ça va être un petit peu long à avoir la bonne réponse. Allez. Mais c'est la dernière question bonus, donc... On y va. Bon, il y a des gens qui sont très férus de ce que l'on fait, ils savent peut-être. C'est vraiment belle. Prépare-toi, renard argenté. Alors, dans quelle région de France sont fabriquées, sont originaires les bagrines ? Top, 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 ça y est, je l'ai. Non, il est là. Il est en bas. Ouais, mais je remonte un peu les commentaires parce que sinon tout y défile d'un coup quand j'en reçois. Hop, là. J'en ai une là. Je regarde si on n'a pas une au-dessus. Alors, on vérifie que chez nous, si, le premier que l'on voit, c'est bien le premier. Il y en a encore avant. Mais celle-là. C'est bien, vous participez, c'est super. Donc, je vérifie. Hein, mais vous gagnez le beau tablier. La première à avoir donné la bonne réponse. Là. Ah. Attends. Eh bien, il y en a tant que ça. Non, alors, il y a un petit... Je vais devoir faire une modification, mais je vous explique, il n'y a rien, il n'y a pas de trucage, rien. La première bonne réponse... Alors, bah, il change de sens ou quoi ? Bah, il y a deux secondes, c'était pas ça. Bah, en fait, c'est pas... Attendez, j'ai eu l'impression que ça a bougé. Moi, je veux le tablier que Charlotte a porté. Excusez-moi, c'est un peu long, mais il y a énormément de commentaires qu'il faut que je remonte. Donc, hop, je pensais que c'était Nancy qui avait donné la première bonne réponse quand j'ai regardé la première fois. Et je sais qu'elle voulait se tablier. Et en revérifiant, je suis désolée, ma bichette, ce n'est pas toi. C'est Caroline Albarger qui est juste avant toi et qui répond donc l'Alsace. C'est ça. Ouais, et ouais. Quand j'ai regardé, Donc, il faut savoir que les bagrines, hein, vous avez déjà... Attends, juste avant de finir ça. Mais Nancy, ne t'inquiète pas, je t'en ai gardé un juste pour toi. Voilà, juste pour pas que tu sois déçue, parce que je viens de te dire que tu n'as pas y gagné, mais parce que voilà, je t'en ai réservé un. Donc, pour information, bravo, les bagrines, c'est les bagues que l'on met autour des pots de peinture pour éviter de faire déborder la peinture sur les pots. Coucou, Léna. Et il faut savoir donc que c'est un produit français, puisqu'il vient d'Alsace. Et c'est un produit qui a été primé au concours Lépine, donc qui a remporté le prix. Et voilà, donc c'est pas compliqué, c'est une bague métallique, on plie les pieds pour que ça se met autour de votre cou. On a deux tailles, on a les mini-tines, les roses, qui sont destinées plus pour les peaux de Dixie Belle, aide-moi, 250. Et après, vous avez la bagrine jaune, la grande, qui va être adaptable sur les 500, sur les 1 litre, il me semble, et sur les 1 litre Anislum. Voilà. Voilà, voilà. Moi, je n'ai pas la rose, je l'ai utilisée tout à l'heure. Oui, je comprends pas. Comme on n'arrête pas de bouger les choses pour faire de la place, on a des meubles partout. Enfin, je regarde dans l'air, ça ne sert à rien. On les a pas bougés. Enfin, voilà. Donc, c'était la question. Bonus, la dernière. Question bonus, question. Isa, t'as pas peur des chasseurs ? Ah, avec tes oreilles ? Non. Même pas peur. Bon, bah écoutez, le live est terminé. Voilà, c'est fini. Touche l'aspect, j'aime bien. Oh, c'est encore un peu... Ça pègue. Bah, ça pègue. Donc, ah oui, on va quand même aller jusqu'à l'étape finale. Enfin, je vais pas le faire là, mais je vous explique. Une fois que ça, c'est bien sec... vous allez devoir lustrer. Donc moi, je vais laisser bien sécher pour que quand je lustre,
j'enlève pas trop de cire brune parce qu'il y a des endroits. Ici, non, là. Ah, c'est de la peinture. Oui, c'est de la peinture, je l'enlève. C'est, moi aussi, ça m'a surprise. Là, j'ai juste un petit. Hop, voilà. Donc, je vais laisser bien sécher la cire pour vraiment que quand je vais venir la lustrer. Quand ce sera l'heure d'eux. Donc, la lustrer, je vais prendre ma microfibre et je vais vraiment bien, bien, bien frotter. Ça va rendre mon cuir un peu brillant. Ça va enlever le côté un peu pégueux de la cire. Donc, Là, il ne faut pas s'asseoir dessus avec un pantalon blanc maintenant. Surtout pas. Et effectivement, là, alors quand vous peignez un siège et que vous venez juste mettre de la cire incolore, il n'y a pas de souci, vous ne pouvez pas tâcher. Quand vous mettez de la cire colorée, je vous invite à bien lustrer. Et une fois que vous pensez que c'est bon, refaites le test de lustrage avec un chiffon blanc. On fait un lustrage à blanc, ça s'appelle comme ça. Une fois que ça reste blanc, et ben c'est que votre siège ne tâchera pas et que vous l'avez bien, bien. C'est pareil pour un meuble, hein. Et des fois, on pense pas, là, vous me parlez du tissu que. Maintenant, vous faites une patine sur le bois, vous lustrez pas bien, c'est pareil, hein. Sur un meuble, une table, une commode, vous vous accoudez avec une chemise blanche, si vous n'avez pas bien lustré, il y a le risque de transfert. Donc, voilà. quand c'est pas sec, il y a toujours un risque de transfert. Bon, j'espère vraiment que cette démonstration vous a plu. Elle me tenait vraiment, vraiment à cœur. Enfin, vous savez que j'aime bien le style industriel. J'avais très, très hâte. Ça fait combien de temps que je te tanne? Un fauteuil, ça fait longtemps qu'on en cherchait. Et à chaque fois, on ne les prenait pas parce que c'était un tissu texturé. Ou alors que le tissu était abîmé aussi. Ouais, donc et on ne voulait pas un fauteuil abîmé et on voulait un fauteuil pas cher. Il faut tout dire, hein. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se permettre d'acheter, comme là, on en a quand même acheté 3. On ne pouvait pas se permettre de mettre 150 euros par fauteuil, tout ça. Donc, il fallait qu'on trouve des fauteuils. Alors là, on a eu la chance, le bonheur, le plaisir de trouver ces fauteuils juste à côté de chez nous, donc à Merville, pour pas… Ouais. Je vais tout vous dire. Je peux tout dire. Attends, d'abord, une question de Sylvie. Et si on prend des couleurs flash, ça risque pas de partir la couleur? Alors non, parce que tu as vraiment teinté ton tissu. Donc, quand tu teins ton jean à la machine à laver avec une teinte du commerce, une fois que c'est fixé. Après, évidemment, au bout de 60 lavages, tu repères un peu de la coloration. Mais là, en plus, tu protèges avec la cire. Donc, ta couleur n'est plus du tout en contact avec l'air, avec les frottements, avec tout ça. Donc, non, il n'y a aucun souci. Tu peux peindre ton fauteuil en rose flashy si tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais voilà. La petite histoire des fauteuils. Donc, je vous disais, les fauteuils, en fin de compte, moi, je les avais vus il y a quelques temps. Ils étaient à 140 euros. 150? Ouais, c'est ça. On ne les a pas pris parce que le tissu, on avait peur que, nanana. Et puis, on en avait trouvé un autre. Ils avaient été baissés à 80 euros. Donc, ça devenait de plus en plus intéressant, mais toujours la crainte. Baissé à 80 euros. Et puis, on devait en acheter un autre. Et puis, finalement, celui qu'on voulait acheter, il était cassé. Donc, on ne l'a pas pris. Et quand le monsieur est venu pour nous l'apporter, il dit, ben, j'ai toujours cela. J'ai dit, ben, je vais prendre donc cela. Et il venait de les baisser à 60 euros. Voilà. Donc, pour la petite histoire, on a quand même eu les deux cabriolets plus la chaise pour 60 euros. Et vous voyez donc maintenant, là, le avant-après. Bon, le dossier, il n'est pas fini. Mais vous voyez l'assise. Si vous ne vous focalisez que sur l'assise, vous avez maintenant le avant-après. Je pense que c'est… Mais ça, il fait… Alors, attendez, je vais essayer de… Si je fais ça. Voilà. Alors, je vois par exemple ici, donc d'où l'intérêt de prendre du recul. Je vois qu'ici… Il manque un reflet ? Non, non. Il manque un peu de cire foncée. Voilà. Mais moi, je viendrai retravailler après en off. Il faut que j'enlève mon regard du siège pour retravailler après dessus. Voilà. Ah, il est trop beau, le chat. Oui, je suis contente. Ça donne vraiment un petit côté décalé. Il est top, le chat. Ah, ouais. Non, il est vraiment… Ouais, je ne sais plus. Oui, il est là. Ah, enfin, oui. Ça veut dire pareil. Ouais. Et je me demande si je ne demanderai pas, si je ne m'arrangerai pas, pour avoir le même en féminin et faire la paire de fauteuils avec le chat masculin et le chat féminin sur l'autre fauteuil. Comment tu vas faire féminin ? Ben, avec une boucle d'oreille. Ah ouais, non, c'est l'oreille, elle est haute. Un chapeau plus féminin, tu vois, des cils ou un collier à la place du nœud pape, par exemple, tu vois. C'est écrit Queen et King. Queen, en plus, c'est le chat de Patricia. Patricia. Eh ben, on pourrait écrire ici, hein, là. Ou derrière, derrière le fauteuil. Ah, ouais. Voilà. Bon, c'est vraiment joli, Wilfried dit. Oui, ce serait sympa, donc, de faire la paire, je suppose. Bon, un collier et un boa.
Un chapeau à plumes, sinon. Bah, y en a l'autre. Là, il y a une plume, effectivement, déjà sur son chapeau, mais on peut trouver un chapeau un peu plus féminin. Tu sais, les chapeaux qui se posent plus. Ouais, je vais essayer de trouver ça. Résultat bluffant. Enfin, je suis contente que ça vous plaise. Après, faut que tu demandes à Dumazel, puisque c'est un pochoir Dumazel. Oui. Elle peut te le faire. Oui, c'est pour ça. Bon, je sais pas combien on est encore et on va partir sur. Oh, on est encore 84. Je sais pas depuis combien de temps on est en live. 1h50. On te voit ? Non, on te voit pas. Je peux mettre mes doigts dans mon nez alors. Ouais, tu peux même te gratter les fesses si t'as envie. Bon, merci à tous. Avec un bois plus foncé, ce serait peut-être plus contrasté. Alors oui, on a prévu de le faire avec le Trianon, le traiter avec le Trianon. Tu l'as, il y en a un peu derrière. Je vais te montrer, Wilfried, effectivement. Le bois n'a pas encore du tout été travaillé. Donc ça va être fait. Il y en a là-bas. Ah non, c'est pas ça. Pardon. Bon, bah, Isabelle est en train de vous préparer une petite flèche de coton avec du Trianon et on va tester. Voilà, comme ça on saura tout de suite, mais c'est l'idée hein, justement de retravailler le bois quand même, pas le laisser tel quel, parce qu'en plus là il est vraiment passé, c'est pas le top. Oh, ça sent fort son nom. Alors, il y a quelqu'un tout à l'heure qui me demandait, j'ai pas répondu parce qu'on a parlé d'autre chose. Attends. S'il n'allait pas y avoir de l'odeur avec la peinture. Pas du tout. Il faut savoir que les peintures sont sans COV, sans odeur. Naturel. Sans odeur, ça ne veut pas dire sans COV. Hein. Non. D'accord. Et sans odeur, ça ne veut pas dire que ce n'est pas mauvais. Attention, comme la résine époxy ne sent pas, mais les inhalations ne sont pas bonnes pour vous. Mais là, la peinture Anislone, comme la peinture d'Ixibel, sont des peintures sans COV, naturelles, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Ah oui, tu ne peux pas zoomer. Non, pas je produit. Peux venir plus près. Donc, ce produit, c'est un… Je vais vous montrer. Oui, j'ai vu. C'est le Trianon. Donc, c'est un rénovateur bois qui existe en 3 teintes. Là, on prend la teinte foncée. Il existe… Tu ne peux pas, mon cœur. Ah, bah c'est… Bah, attends, si je me mets devant, c'est mieux. Ouais. Il existe la teinte foncée et la teinte claire et la teinte moyenne. Et là, on utilise la teinte foncée. Fais attention à mon tissu quand même. La teinte claire, je l'emploie très rarement, vraiment si je vais travailler sur un bois très, très clair. Alors, je vais essayer, on devra bien… On n'a pas encore testé, donc crash test en direct. Hop. Oh si, hein. On voit quand même que ça ravive le bois. Hein. Là, il y a de la peinture. C'est vrai ? Non. Là, il y a du scotch surtout. De la peinture là ? Non. Non, non, je crois que c'est… Ça m'étonnerait que ce soit de la peinture, mais après, ça se peut. Hein. Non, c'est du doré. Il y avait… Ah oui, c'est vrai. Il y a du alors doré ça, c'est sur génial, le bois. Ce produit, parce que quelquefois, vous avez des sièges qui sont griffés. J'avais mis il y a quelque temps des photos comparatives. Et une fois, il y avait même quelqu'un qui avait dit en gros que c'était trompeur, il fallait se méfier, tout ça. Et les photos venaient de moi. Oui. Donc, ce n'est pas des photos du fournisseur. Tiens, donc, il y a des fois, quand vous avez des griffes sur votre bois, ça, c'est un produit qui marche même sur des bois de rose, hein, donc il ne va pas abîmer. Et, donc, on le fera bien, par exemple, ici dans les creux, on ira bien avec un pinceau. Et c'est pour vous montrer un petit… Vous voyez la différence ? C'est pas non plus… C'est une teinte, hein, ce n'est pas une peinture. Hein. Bah, montre le pied, non ? Pour voir la différence. Oui, bon, ici, il y a pris l'eau ou… Ouais. Alors, des fois, des taches d'eau, ça là, marche. Il y a des taches d'eau, on pourrait essayer sur ce pied, sur les taches d'eau, si tu veux. Il y a quelqu'un qui a dit, et des effets poudrés sur les moulures. Non. Un effet… Non, je vais… Là, après, vous pouvez, bien évidemment… Voilà. Moi, l'idée, j'ai vraiment envie d'un bois naturel et j'aurais pu le peindre en noir, par exemple, le bois, mais ce n'était pas l'idée que moi j'avais de ce que je voulais sur ce fauteuil. Vous savez, ça fait tellement longtemps que je l'imagine, ce fauteuil. Que j'ai, là, il y a des taches d'eau, on va voir. Que j'ai mon idée bien en tête. Hein. Bah, écoute, c'est tout vu. Et ce n'est pas de la saleté, hein, c'est vraiment c'est une tache d'eau. Donc, le bois est blanchi. Là, tu peux bien. Ouais, là, parfait. Voilà. Donc moi, je travaille avec de la mèche de coton. Ça donne quoi les commentaires ? Parce que c'est vrai qu'on ne lit pas du tout. Bah, ils trouvent ça génial. Ah, bah, cool. Allez, je te repose, maman. Ouais. Et du coup, tu m'as mis ça dans les mains. Ouais, bah, tu arrêtes tout de suite. C'est sa drogue, ça, le rénovateur bois. Après, tout le monde vous remercie pour ce. Bah, de toute façon, on va se retrouver tout de suite pour le tirage au sort. Hein.
Bon, j'arrête. Bien imaginé, bien réalisé en plus. Merci beaucoup, Isabelle. Il y a quelqu'un qui Qui avait une question ? Non. Non, dis-moi. Bah, tu peux répondre en fait. Hein. Bon, merci. Je suis en train de lire un petit peu tous vos messages. Je vous ai pris les trois et franchement, j'adore. Ah, il y a Isabelle Soularès qui a pris les trois teintes du Trianon. Du Trianon et elle trouve ça. Ça, c'est un produit qui est. Je vais vous lire ce qui est écrit, dessus. Supprime les taches d'eau, d'alcool, masque les éraflures, fait briller. Pour les bois massifs, pour la maqueterie, pour les bois massifs et marquetés, pardon, vernis ciré ou laqué. Donc, je sais que moi, j'avais eu récupéré des chaises une fois d'un client et c'était sur, je sais plus si c'était sur les pieds. Vous savez, ils avaient dû être abîmés avec des boucles de chaussures. Tout était parti. Alors, autant ça peut bien fonctionner sur des éraflures que si vous avez, par exemple, posé un verre avec des glaçons sur un vernis que ça blanchit, ça n'aura aucun impact puisque là, c'est une réaction chimique du vernis avec les différences de température. Donc là, ça marche pas. Mais pour les bois éraflés, les bois ternis, c'est génial. J'ai un client qui m'avait aussi donné des fauteuils qui traînaient dans son grenier depuis des années. J'avais fait devant lui un brosse sur les deux et je l'avais mis en photo aussi sur les sites. C'était époustouflant. Tu peux juste émoustouflant. Te mettre à gauche. Ouais. On voit le fauteuil, je l'adore. Je suis vraiment très contente. C'est pas que je me vante, hein, mais quand je réussis quelque chose qui me tient à cœur depuis un moment, je suis contente. Voilà. Et j'espère que vous, quand vous faites vos réalisations, vous êtes contents aussi. Alors, de toute façon, là, le bois, on peut voir peut-être, c'est pas flagrant. Non, mais moi, à l'œil, je le vois, à la caméra, on le voit un peu quand même. On voit bien qu'à droite, ça a été fait et pas à gauche. Ça ravive le bois, ça lui donne, c'est plus joli. C'est un raviveur, un rénovateur bois. Donc, l'idée, c'est ça. Et puis après, vous le lustrez. On va vous laisser, messieurs, dames. Regardez bien l'ancien, comment il était beau. On voit plus. Excusez-moi, je vous saccade et tout. Allez, on va couper le live parce que l'église sonne. Ça veut dire qu'on est à 2 heures de live. Déjà ? On ne fait pas ça d'habitude. Donc, on se quitte. Mais on va s'installer par contre parce que je sais que ce dernier tirage au sort, on va certainement papoter un peu avec vous. Et donc, on va se poser assis pour être bien à l'aise et on va faire le tirage au sort donc avec vous. Je ne peux même pas vous prendre à l'écran pour vous parler. Tu peux peut-être aller dire au revoir devant quand même. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite pour les derniers tirages au sort, pour vous remercier pour tout ça, pour la petite papote de fin de live en série, de fin de live en folie, en série aussi. Voilà, attendez, je prépare la fin de live. C'est bon, j'y suis, je suis voilà. Prête. Tu t'en vas ? Tu vas peut-être dire au revoir à la caméra, alors mon cœur. Donc Léna s'en va. Elle va dire faire un gros bisou à sa manou chérie. Alors, voilà, tu fais coucou. Au revoir. Je voulais juste dire un truc. Tout à l'heure, ça m'a traversé l'esprit quand on a répondu à Valérie et que j'ai dit on va chez grand-mère. Alors, ça n'est pas péjoratif chez nous. Nos petits-enfants appellent leur grand-mère grand-mère. Donc voilà, bonjour grand-mère, bonjour grand-père. Donc c'était pas bon, on va aller voir grand-mère, bien, c'est pas ça. Ouais. Et mon arrière-grand-mère, je l'appelais mémère. Voilà. Et c'était affectueux et tout à fait respectueux. Voilà, donc j'y tiens, c'est vrai qu'on n'y pense pas, pour nous c'est tellement. Enfin bref, voilà. Donc, anecdote. On se retrouve dans 5 minutes, comme d'habitude, pour les tirages au sort, les derniers tirages au sort. Croisez les doigts, c'est vos dernières chances peut-être de gagner. Enfin, il y en a qui l'ont eu bien bordé. Hein, c'est bien. Voilà, un Wilfried. Aussi. Il y a eu Nelly 2. Il y en a eu plusieurs doublons. Hein. Voilà, bon, Renard Argenté, c'était ton week-end aussi. Voilà, pour une fois, tu as gagné. Allez, et on coupe. Désolé pour tous les autres, mais vous savez qu'on se retrouve régulièrement avec des cadeaux. Allez, des bisous. Ciao, ciao.